Bonjour à tous. Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin sehr erfreut, die Gäste aus Deutschland, aus Österreich, aus England, aus Italien zu begrüßen. Ich werde hauptsächlich auf Französisch reden, denn ich weiß, dass im Publikum da auch Personen sind, die gar kein Deutsch können. Sie haben bemerkt, dass Sie einen Kopfhörer mal nehmen können und wir haben das Verdolmetschen der ganzen Konferenz programmiert, also geplant und so dürfte keiner Schwierigkeiten haben, das Ganze verfolgen zu können. Also ich freue mich sehr, Sie in diesem schönen Rahmen mal empfangen zu können und das sage ich jetzt auf Französisch und ich bitte um Entschuldigung, dass ich also wechsle. Donc quelques mots en français pour vous accueillir tous et vous dire combien nous nous réjouissons de vous accueillir ici. Je vais, avant de passer la parole à Michel Catala et à Félicien Lemaire, je voudrais adresser d'emblée mes remerciements chaleureux, en particulier à mes collègues co-porteurs du projet CITER, donc Félicien Lemaire ici présent, Stéphanie Morando, qui peut peut-être faire un petit signe pour qu'on l'identifie, Zaya Zeroulou, qui, elle, nous aide pour l'organisation de ce colloque et co-organisatrice du colloque, ainsi que Bettina Séverine Barboussi, qui peut aussi, bon, enfin, que vous découvrirez tout à l'heure pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Myriam Youssoufi, qui peut également faire un petit signe, qui est également co-organisatrice du colloque, Dirk Rupnov, ici présent, que vous allez entendre dans quelques minutes. Donc nous sommes 5 co-organisateurs de ce colloque international et nous avons été extrêmement heureux de voir le succès qu'a connu notre appel à communication puisque nous avons reçu une 60aine de propositions et qu'il a été difficile de choisir. Et je présente et je remercie également extrêmement chaleureusement Michel Catala, directeur d'Alliance Europa, d'avoir la gentillesse d'être présent aujourd'hui puisqu'il doit prendre assez rapidement un avion pour le Canada où il doit se rendre et ses nombreuses fonctions voilà, lui rendent la vie parfois un petit peu difficile. Nous sommes d'autant plus touchés qu'il soit là. Et enfin, j'achèverai ces remerciements par des remerciements très appuyés aussi envers Thomas Burel, qui justement est au fond de la salle et j'en profite, et puis Aurélie Cloarec. Vous avez eu des échanges mail avec aussi bien Thomas que Aurélie, et je les remercie vraiment avec insistance, parce que sans eux, ce type de manifestation ne serait pas possible ou serait extrêmement difficile. Voilà, et je passe tout de suite la parole à Michel Catala. Merci Gwenola, donc bonjour à tous. Merci pour me laisser la parole. Je vais être relativement bref, comme un universitaire peut être bref, et je m'excuse de m'exprimer uniquement en français, étant donné que je suis totalement incompétent en allemand, bien entendu, ou malheureusement pour moi. Mais en tous les cas, je ne vous parlerai ici qu'en français. Alors je m'exprime ici en tant que directeur du programme Alliance Europa, donc dont est issu le programme CITER que vous présentera Félicien tout à l'heure. Le programme Alliance Europa est donc l'un des programmes de recherche qui est l'Alliance Europa. Alors pour aller un petit peu vite dans la présentation, je sais que ce n'est pas le fond du colloque, mais Alliance Europa, c'est un programme recherche, formation, innovation qui est financé par la région des Pays de la Loire, par Nantes Métropole, par nos 3 universités de Nantes, Angers et Le Mans, également par d'autres partenaires, et qui a pour objectif de soutenir le développement d'une filière d'études européennes et internationales, ou d'études européennes et globales, sur la région des Pays de la Loire. Donc grâce à ce soutien financier conséquent, notamment de la région des Pays de la Loire, nous pouvons avoir une équipe d'animation et de soutien pour les projets de recherche, de formation et d'innovation sociétale concernant les études européennes et globales. Et nous pouvons
soutenir et financer des programmes de recherche collectifs ou individuels dans ce domaine-là. Alors nous avons défini au départ plusieurs axes de recherche, dont l'un concernant la citoyenneté en Europe et les problèmes autour de la citoyenneté. Et donc le programme CITER est directement la déclinaison de cet axe de recherche, donc programme et axe de recherche porté d'ailleurs par nos collègues, donc Gwenola, Sebo, Félicien Lemaire, Stéphanie Morando et Clément Thibault. Donc c'est un programme donc, qui veut initier, susciter des recherches collectives ou des recherches individuelles dans ces domaines-là. Et la thématique migratoire, on va dire, s'est imposée tout naturellement aux chercheurs, puisque notre programme est né en 2014-2015, donc au moment où la crise de l'accueil des réfugiés a secoué l'Europe. Et les collègues qui travaillaient déjà sur les questions migratoires ont été tout particulièrement soutenus, puisque l'objectif de notre programme, c'est de nous interroger finalement sur les crises actuelles de l'Europe, le temps long, et finalement de nous interroger, j'allais dire, sur les difficultés des sociétés européennes à s'adapter aux conséquences, j'allais dire, de la globalisation, sachant que les flux migratoires sont bien entendu au cœur de ces problématiques. Alors nous avons donc soutenu, ou nous soutenons depuis 3 ans, une série de programmes. S'y intéresse. Nous en avons d'autres, comme le programme ARECO, qui s'intéresse à l'accueil des réfugiés. Et nous développons également des formations continues. Nous soutenons des thèses de doctorat. Donc nous avons toute une série de programmes concernant ces questions qui sont soutenus donc, par Alliance Europa depuis maintenant 3 ans et pour les 2 prochaines années jusqu'en 2020. Sachant que nous avons créé un institut d'études européennes et globales qui, lui, je l'espère, survivra 2020 et pourra profiter pleinement de la dynamique engagée par les collègues et par l'ensemble des chercheurs sur ces projets. Pour terminer, je voulais également rappeler ou vous dire qu'un des objectifs également essentiels d'Alliance Europa, c'était d'accentuer l'internationalisation de nos laboratoires et de nos programmes. Et donc, je suis particulièrement heureux que le programme CITER se soit saisi entièrement de cet objectif, puisque le programme de colloque le montre. Non seulement le programme est très intéressant, mais je n'en dirai pas plus sur le fond de la question, c'est-à-dire sur les questions migratoires et ses mémoires de la migration. C'est d'ailleurs le deuxième colloque là-dessus. Et puis également, c'est un colloque qui se soucie tout particulièrement de cette internationalisation, puisque le partenariat avec les collègues allemands est au cœur de ce programme, et puis l'ensemble des collègues qui participent au comité d'organisation et qui vont intervenir montrent que justement cette thématique est attractive pour animer des recherches avec des partenaires étrangers. Et puis j'allais dire également qu'on crée là tout un réseau qui, je l'espère, sera porteur à l'avenir d'autres projets et d'autres coopérations, puisque le programme Alliance Europa dure 5 ans, mais il n'a pas vocation, j'allais dire, à se terminer en queue de poisson, comme on dit en français, au bout de 5 ans, mais bien entendu à produire et à susciter des dynamiques qui seront, je l'espère, au cœur des années 2020-2025 pour nos 3 universités. Voilà. Je tenais aussi à féliciter les organisateurs du colloque, mais j'y tiens pour le partenariat avec le Château des Ducs, vous en reparlerez certainement, qui nous accueille aujourd'hui. C'est un partenariat entre le CRHIA, dont je suis issu, le Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique, et ce château. Et le château nous accueille dans de nombreuses manifestations tout au long de l'année et est partie prenante également de notre laboratoire et de sa vie, avec M. Guillet, son directeur, et que je remercie là aussi de son accueil, mais j'imagine que vous le ferez également tout à l'heure. Voilà, je m'arrête là. Donc merci à tous pour votre présence. Malheureusement, comme l'a dit Gwenola, je serai obligé de vous quitter dans très peu de temps, alors que j'aurais préféré rester avec vous, parce que le programme m'intéresse beaucoup plus que les différentes réunions que j'ai aujourd'hui avant mon départ. Mais malheureusement, mes obligations m'appellent. Mais je pense que tout sera enregistré et qu'on pourra lire également tout cela dans un second temps. Donc c'est l'essentiel.
Voilà, donc merci à tous encore pour votre présence et merci aux organisateurs et à Gwenola tout particulièrement pour ce beau programme et je vous souhaite à tous d'excellents travaux et de bonnes recherches durant ces deux jours. Merci. Merci beaucoup Michel. Je reprends le micro quelques secondes parce que de fait je saisis l'occasion, on oublie toujours quelque chose, je saisis l'occasion pour remercier effectivement très très chaleureusement Monsieur Guillet qui ne peut pas être présent à l'ouverture de ce colloque parce que ses nombreuses obligations le retiennent ailleurs, mais il nous fera certainement le plaisir de passer à un moment de ces deux journées et nous aurons l'occasion à ce moment-là de le remercier de vive voix. Et je souhaiterais remercier également Kaya Skowronska, qui nous a rejoint au projet CITER en tant que post-doc et qui fournit un travail précieux pour nous aider justement dans ce type d'organisation de manifestation et pour bien d'autres choses encore. Merci encore, Kaya. Et je recède la parole à Félicien. Oui, donc Gwenola m'a demandé de dire quelques mots de présentation sur le projet CITER en l'absence de Clément Thibault qui est le responsable attitré de ce programme. Or, je le fais d'autant plus volontiers que j'ai toujours plaisir à retrouver toute l'équipe de CITER. C'est peu dire qu'on s'entend vraiment bien et j'ai plaisir, bien évidemment, à croiser à nouveau des collègues que j'ai déjà eu l'occasion de voir précédemment. Donc, quelques mots sur le projet CITER. Michel l'a dit, c'est en réalité un sous-programme du programme Alliance Europa. Le projet CITER est l'acronyme de l'Europe et les frontières de la citoyenneté. C'est un projet qui est principalement porté par le CRHIA, le laboratoire d'histoire de Nantes, auquel sont associés un certain nombre de laboratoires. Ont été évoquées les universités, mais on peut aussi parler des laboratoires qui ont leur importance, à savoir DCS, le laboratoire de droit de Nantes, droit et changement social, également le CJB, le laboratoire de droit de l'Université d'Angers, TROILAM, qui est le laboratoire langue, littérature, linguistique des universités d'Angers et du Mans. Je serais tenté également d'ajouter TEMOS, qui est... je vois qu'il y a quelqu'un qui opine dans la salle, qui est le laboratoire Temps, Monde et Société, qui est sur plusieurs sites, à savoir Le Mans, Bretagne Sud et puis Angers. Alors, à ces laboratoires correspondent effectivement un certain nombre de référents. Ils ont été mentionnés, à savoir Clément Thibault, à savoir Stéphanie Morando, Gwenola Sebo et moi-même. Le projet CITER s'inscrit sur une durée de 3 ans, de septembre 2016 à septembre 2019. Il est centré sur les processus de participation de la citoyenneté européenne. C'est un projet pluridisciplinaire qui mélange la philosophie, la sociologie, l'analyse politique, également, je ne l'oublie pas, l'histoire. Le projet est un projet à finalité académique avec bien évidemment des colloques, des journées d'études, des séminaires et les publications qui vont avec. Il faudra vraiment forcément s'en préoccuper. Et puis, il n'a pas forcément et uniquement cet objet, il a aussi un objectif de diffusion de la recherche auprès du grand public. Certains partenaires nous aident dans cette démarche, je pense aux Maisons de l'Europe. Nous avons eu l'occasion de faire un certain nombre de conférences dans ces Maisons de l'Europe, aussi bien à Nantes qu'à Angers. Également comme partenaire Radio Nantes, qui est une radio qui s'intéresse essentiellement aux questions liées à la citoyenneté européenne. Alors, des podcasts sont prévus pour permettre la diffusion de notre recherche. Et aujourd'hui même, je crois qu'un certain nombre d'intervenants vont être sollicités sur ce point. Ils vont être interviewés pour élaborer les podcasts. Gwenola l'a fait, mais je remercie également Kaya pour ce travail parce que c'est elle qui s'en occupe. On est vraiment très heureux de l'avoir recrutée comme post-doctorante, elle nous aide véritablement dans ce que l'on pourrait appeler le faire savoir, en quelque sorte, de notre démarche. Or, pour en revenir à l'aspect académique qui nous intéresse aujourd'hui, il faut souligner que le projet s'articule autour de 3 axes thématiques.
Le premier axe, les citoyennetés européennes dans l'expérience impériale et coloniale, en s'intéressant aux constructions juridiques et politiques qui ont hiérarchisé la participation des populations aux empires coloniaux. L'hypothèse étant ici que le passé colore en quelque sorte les formes de l'intégration et de la discrimination en Europe. L'axe 2, qui est intitulé Migration, construction identitaire, droit des minorités. Il s'agit ici de savoir ou de comprendre comment les migrations mettent au défi la citoyenneté européenne. Sur la base du prisme migratoire, il s'agit d'éclairer les constructions identitaires. On en a pas mal discuté hier soir. Qu'est-ce qu'on entend par identité européenne pour bien évidemment faire avancer le débat sur la construction européenne, sur son avenir. Et puis l'axe 3, citoyenneté et cosmopolitisme, dont l'objectif est de saisir les mutations de la citoyenneté, multiples dans sa réalité et ses figures, citoyenneté nationale, citoyenneté locale, citoyenneté diasporique également, en s'intéressant au judaïsme européen, mais aussi, et bien sûr, citoyenneté européenne, voire citoyenneté mondiale. Alors c'est là, en quelque sorte, le volet cosmopolitique de cet axe, en observant les mutations qui s'opèrent par rapport à la notion de citoyenneté, en interrogeant le lien établi avec la démocratie. L'un des questionnements principaux ici étant de savoir comment se développe cette construction européenne. Est-ce qu'elle est en soi inclusive, comme je dirais le promet l'initiative, ou si elle devient aussi exclusive. Alors chacun des axes a sa logique, ses propres journées d'études et colloques. Je ne vais pas les décliner, quelques-uns ont été mentionnés. Je dirais simplement, au titre des manifestations, qu'il y a eu une journée d'études destinée à faire un état des lieux de la citoyenneté en Europe le 31 mars 2017. Un colloque en juin 2017 donc sur l'histoire migratoire en mouvement France et Allemagne qui a été organisé par Gwenola. Aujourd'hui, en réalité, c'est la suite. Je veux également mentionner, puisque j'ai évoqué Thémos, la journée d'études internationales sur les judaïsmes européens qui s'est déroulée les 5 et 6 mars derniers, organisée par Vincent Villemain. Aujourd'hui, donc, ce colloque « Représentation et mémoire de la migration ». Il y a d'autres événements qui se profilent. Le colloque prochain des 6 et 7 décembre à l'Université d'Angers, intitulé « Citoyenneté et démocratie ». Et puis, il est prévu de clore le cycle de ce projet CITER par un colloque final en Italie. Alors, je ne sais pas exactement où. Est-ce que ça sera à Turin ou est-ce que ça sera à Florence, le titre est déjà donné, Résidence et citoyenneté dans la longue durée de l'histoire de l'Europe, en faisant, j'espère, avant, un détour sur Agadir, où nous serons nombreux à nous retrouver. Voilà, je ne monopolise pas plus la parole parce que le programme est très chargé. Je vous souhaite un bon colloque. Je reprends une dernière fois la parole pour ce matin. À la fois pour trois instructions techniques et pour une petite introduction plus académique, mais rapide. Alors, les instructions techniques sont de deux ordres. La première, déjà, pensez que ce soir, nous aurons tous rendez-vous à 18h30 à l'hôtel. 18h30 à l'hôtel, c'est de là que l'on viendra nous chercher pour nous emmener pour cette promenade et cette visite du mémorial. Donc 18h30 à l'hôtel, notez bien. Deux autres instructions techniques concernant la façon dont nous allons intervenir les uns et les autres tout au long de ce colloque. Je vous demande d'avoir la gentillesse de respecter le timing des 20 minutes pour votre communication. Vous avez vu que le programme est dense et il faut que nous nous y tenions. Donc 20 minutes, mais en même temps, et croyez-moi, ça n'est pas contradictoire, en même temps, ne pas parler trop vite, ne pas oublier nos collègues et amis interprètes et leur laisser la possibilité de temps en temps de respirer. Voilà. Merci beaucoup. Merci aux interprètes. Alors, notre colloque propose une réflexion critique autour du triptyque représentation, mémoire, migration.
La question centrale porte sur l'articulation entre représentation et mémoire au prisme de la migration. Les deux termes en tension ici sont bien la mémoire et la représentation. Un mot d'abord sur le premier terme, représentation. Michel Vauvel, disciple de la Brousse, historien de la génération qui a théorisé le passage de l'histoire des mentalités à l'histoire des représentations, soulignait déjà en 2001 les voies complexes de la représentation. Et il en donnait cette définition. C'est l'idée même que les hommes se font de leur quotidien et plus encore de leur avenir. Fin de citation. Évoquant notamment la représentation du politique, il soulignait, je cite, « un entrelacement de conditionnements en insérant cette expérience dans un ensemble de corrélations, d'une part, et dans tout le contexte d'une histoire mouvante, où l'événement et où la diffusion des mots d'ordre, des peurs, des rumeurs, des paniques, d'autre part, tient sa place au même titre que l'apprentissage du vote ou des formes d'une démocratie spécifique. » Fin de citation. Dans ce que dit Vauvel, c'est l'accent porté sur l'avenir qui me semble tout à fait intéressant pour notre colloque, pour notre thématique. En effet, depuis les années 2000, il est manifeste qu'un petit peu partout en Europe, on cherche, après une certaine phase d'occultation, on cherche donc à mettre en avant la migration, à ancrer un petit peu la migration et surtout l'immigration dans la mémoire collective. Représenter la migration, la mettre en perspective, c'est avant tout rappeler des événements fondateurs de notre histoire nationale, de nos histoires nationales, mais c'est en même temps certainement éclairer la façon dont nous envisageons notre avenir. C'est s'interroger sur ce qui peut fonder notre unité en dépit d'itinéraires pluriels. C'est aussi rechercher une cohérence historique afin sans doute de mieux assurer une cohésion ou à mieux réassurer une cohésion qui nous paraît parfois hypothétique. En témoigne, je ne citerai que cet exemple, en France, l'exemple de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, rebaptisée depuis Musée national, dont la vocation pédagogique et civique était d'emblée extrêmement prégnante et manifeste. Jacques Toubon, président du conseil d'orientation de la toute jeune cité à l'époque, l'a très clairement dit, je le cite, « La Cité nationale de l'histoire de l'immigration qui a ouvert ses portes en 2007 est un lieu de connaissance et d'échange sur l'histoire de l'immigration en France depuis deux siècles. Sa vocation est de contribuer à changer le regard sur l'immigration au travers d'une approche culturelle, éducative et civique en s'appuyant sur les travaux des historiens. » Fin de citation. Et cette conception politique rejoignait tout à fait le point de vue scientifique. Là, je citerai simplement Dominique Schnapper qui disait, je cite, « C'est une façon de reconnaître symboliquement l'apport et la participation des populations étrangères venu constituer la population française. » Et Dominique Schnapper précisait, « Ce qui compte, c'est que ce musée soit à la fois un centre de recherche et un lieu de mémoire. Lier mémoire et histoire, reconnaître et dépasser le passé, voilà l'enjeu. » Fin de citation. Le concept de représentation évoque en filigrane le ressenti, le sensible, ce qui s'opère a priori indépendamment de critères très rationnels. Alors il est vrai que la représentation peut être pensée, elle peut être organisée, structurée, elle peut se trouver en quelque sorte ainsi objectivée. Elle n'en est pas moins fondamentalement subjective, soumise aux mutations de l'histoire et de la pensée humaine. Vauvel mentionne d'ailleurs le filtre des représentations, mais je vais passer sur cette citation pour ne pas moi-même ne pas obéir à l'impératif que j'ai fixé de respecter le timing. Donc je vais abréger mon introduction, je ne m'attarderai pas sur la mémoire parce que voilà, Alvax et bien d'autres encore, Pierre Nora, l'ont très bien théorisé et vous en connaissez les idées majeures.
Ce que peut-être pour conclure, je dirais, c'est simplement, je prends dans mon texte quelques questions qui me sont venues à l'esprit en guise d'introduction et qui sont autant de pistes de réflexion pour nous. Par exemple, quel rôle jouent les musées dans la cristallisation de l'identité d'un groupe ? Quel rôle jouent-ils dans la construction d'une mémoire collective ? Quels événements fondateurs choisissent-ils de retenir dans l'optique de sceller l'identité du groupe ? Voici quelques questions, il y en a bien d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de représentation de la migration, le rôle de l'historiographie est manifeste. Mais ce qui est manifeste aussi, c'est que les méthodes et les finalités ne sont pas évidentes et elles appellent une réflexion. L'enjeu, c'est de faire de la migration l'objet de l'histoire au sens où l'a défini Paul Ricoeur, et je terminerai par cette citation, « Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le temps, ce sont les hommes dans le temps. La référence aux hommes doit figurer dans la définition, mais il s'agit des hommes dans le temps, ce qui implique un rapport fondamental entre le présent et le passé. C'est à la faveur de cette dialectique, comprendre le présent par le passé et corrélativement comprendre le passé par le présent, que la catégorie du témoignage entre en scène à titre de trace du passé dans le présent. Pour terminer, c'est donc la question de la validité ou de l'efficacité des représentations de la migration qui nous intéresse. C'est elle qui va structurer nos débats durant ces 2 jours avec une mise en perspective européenne et extra-européenne, notamment sud-méditerranéenne. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon colloque. Pendant que Dirk Rupnov s'installe. J'ai le plaisir de le présenter. Ich freue mich sehr, Dirk Rupnov, einen der Mitorganisatoren, vorstellen zu dürfen, der so freundlich war, heute die Keynote zu übernehmen und uns in das, hört mich jeder, ja, und in das Thema einzuführen. Je continuerai en français. Dirk Rupnov est professeur d'histoire du temps présent à l'université d'Innsbruck en Autriche, où il était il y a récemment, il a aussi été le directeur de l'Institut de l'histoire du temps présent. Dirk Rupnov a fait des études d'histoire, d'allemand, de philosophie et d'histoire de l'art, à Berlin, à Vienne et à Klagenfurt. Il a fait sa thèse de doctorat à Klagenfurt et a fait son HDR, son habilitation à diriger des recherches à Vienne. Il a eu de multiples bourses de mérite et en 2017, récemment, donc, il était Distinguished Visiting Austrian Chair Professor à l'Université de Stanford. Parmi ces multiples focus de recherche ou axes de recherche. Donc, il travaille essentiellement sur l'histoire de l'Autriche, de l'Allemagne et l'histoire européenne, on va dire, dans une perspective plus large. L'un de ses axes de recherche est l'histoire du nazisme et de l'Holocauste. Un autre axe de recherche est l'histoire de la migration ou des migrations plurielles et la muséalisation, mot difficile, de la migration, enfin des migrations notamment, dans des expositions mais aussi dans les musées. Il a publié, c'est même pas la peine de l'évoquer, de multiples travaux, et je ne veux pas citer ces publications, la liste est longue. Je veux juste faire référence à 2 travaux qui sont sortis récemment. Donc, Migration in Austria est un ouvrage publié en 2017,
Et le deuxième travail s'appelle Einheimisch, Zweiheimisch, Mehrheimisch, Geschichte der neuen Migration in Südtirol. Voilà, donc deux travaux qui sont en lien avec ce qui nous intéresse ici pendant ces deux jours. Donc, je te laisse la parole. Merci d'être là. Nicht stundenlang das Mikro halten. So, ich hoffe, jetzt hört man mich in der Übersetzungskabine. Es war klar, dass es ein gewagtes Unternehmen ist, die Keynote hier auf Deutsch zu halten, aber aus irgendeinem Grund haben wir das beschlossen, also jetzt müssen Sie das hier erleiden. Keynote ist natürlich auch jetzt irgendwie ein Riesenanspruch bei diesem Thema. Also je mehr gesagt wurde hier bereits auf dem Podium zur Einleitung und vor allem je mehr wir auch gestern Abend schon und heute beim Frühstück im Hotel geredet haben, desto klarer wird einem natürlich, dass es eigentlich total unmöglich ist, hier diesen Titel einzulösen und einen Überblick über diese ganze Debatte zu geben und dann auch Herausforderungen und Perspektiven zu benennen. Also vergessen Sie das am besten gleich. Ich glaube, was man hier seriöserweise machen kann, am Anfang oder versuchen kann, ist so ein paar Flöcke einzuschlagen, was diese Debatte ausmacht. Und ich werde Ihnen vermutlich in den wenigsten Fällen hier etwas völlig Neues verraten. Sie kennen das alles, Sie haben das selbst alles in Ihren Arbeiten auf dem Schirm, nehme ich an. Aber trotzdem ist es vielleicht ganz gut, damit zu beginnen und so ein paar wichtige Punkte nochmal zu benennen, die dann auch gelegentlicher in den Detaildebatten vergessen werden. Also einfach so ein paar ganz grundsätzliche Dinge, die uns zwar letztlich allen irgendwie bekannt und bewusst sind, aber die dann doch manchmal wieder unterzugehen drohen. Und das natürlich aus meiner sehr persönlichen Perspektive, zu der ich vielleicht auch noch zwei, drei Dinge gleich sage. Zum Anfang aber auch nochmal, ich freue mich sehr, dass ich Teil dieses Teams sein konnte. Es ist wirklich ein großes Vergnügen gewesen, das mit euch zu organisieren. Wir haben das ja im Wesentlichen fernmündlich und via Skype organisiert. So funktioniert es heute in der globalisierten Welt. Am Ende kommen wir dann eben doch wieder real, physisch hier zusammen, interessanterweise. Das ist ja auch wichtig und schön, weil es dann doch die Debatten erleichtert. Aber vielen Dank hier dem ganzen Team vor Ort, CT und euch, mit denen ich das hier organisieren durfte, wie gesagt. Ja, also ein genereller Überblick ist, glaube ich, vermessen und darum ist es gleichzeitig, und Bettina hat einiges dazu gesagt, ist es gleichzeitig auch vielleicht nochmal angesagt, sich selbst in dieser Debatte zu verorten, weil je nachdem, aus welchem Fach man kommt und aus welcher Ecke der Welt man kommt, doch die Zugänge äußerst unterschiedlich sind und äußerst unterschiedlich sein können, obwohl, wie auch gleichzeitig klar ist, dieses Feld ja wirklich ein exemplarisch interdisziplinäres ist, das man nur interdisziplinär verhandeln kann. Es ist eben, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig und entscheidend und macht etwas mit unserem Forschungsfeld. Und trotzdem ist dann doch immer wichtig, nochmal diese Rückbindung an den gewissermaßen eigene disziplinäre Herkunft. Und nicht nur die disziplinäre Herkunft, sondern eben auch die gewissermaßen nationale, regionale oder wie auch immer Sie das nennen wollen und in welchen Strängen auch der eigenen Disziplin man da vor allem unterwegs ist, sich da ein bisschen zu verorten. Also meine eigene, ich bin selbst gewissermaßen Migrant in Österreich, es ist natürlich irgendwie lächerlich im Grunde, würden Sie sagen, aber ganz so lächerlich ist es eben auch nicht, also es verändert auch den Blick eben ein wenig. Habe also dementsprechend vor allem die österreichischen und auch deutschen Debatten im Blick und darum bin ich auch sehr dankbar, dass wir hier nochmal das in einen breiteren europäischen Kontext stellen können, weil, glaube ich, auch immer dieser europäische, nicht nur der europäische, aber eben auch der europäische Rahmen ganz wichtig ist für diese Themen und wir dann doch gelegentlich auch bei diesen Migrationsforschungen, nennen wir es jetzt mal im weitesten Sinne, auch da dann oft eben
die nationalen Grenzen und Begrenzungen fortschreiben und das natürlich bei diesem Thema überhaupt gar keinen Sinn macht, wie Ihnen auch allen klar und bewusst ist. Also das heißt, mein eigener Background ist diese, vor allem auch in den letzten Jahren eben die österreichische Debatte, und Österreich ist ja tatsächlich, also Sie können sagen, Österreich ist ja total uninteressanter Fall. Wer redet schon über Österreich im Normalfall? In Wirklichkeit ist Österreich natürlich ein sehr interessanter Fall. Das können Sie jetzt blöderweise wie immer bei solchen Statistiken nicht gut sehen. Und ich bin auch kein Fan von Statistiken, wenn Sie selbst in diesem Bereich der Migrationsforschung, Migrationsgeschichte unterwegs sind, dann wissen Sie, wie heikel es ist, gute, belastbare Statistiken zu finden, wie misleading Statistiken sind, weil sie in allen Ländern, wenn es wird ein bisschen anders gerechnet, teilweise wird in Bundesländern anders gerechnet, in Österreich wird in Wien anders gerechnet als im Rest der Republik bei bestimmten Kategorien und so weiter. Also Statistiken in diesem Zusammenhang, wir wissen, sie sind wichtig, aber es ist auch ein Wahnsinn, wie irreführend sie sein können. Hier haben wir jetzt Foreign-Born Population aus dem Jahr 2013, die OECD-Staaten, glaube ich. Also Sie haben hier Luxemburg, Schweiz, Australien, Israel, Neuseeland, Kanada. Das wird Sie alles nicht so richtig überraschen, ganz am Anfang. Und dann als nächstes haben Sie aber gleich Österreich. Also Österreich ist tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einem der gewissermaßen Top-Einwanderungsländer statistisch gesprochen in dieser Welt geworden. Das ist gleichzeitig, wie Sie auch wissen, nehme ich an, in Österreich kombiniert mit der Tatsache, dass das Land immer noch in Denial dieser Tatsache ist, also es immer noch verleugnet, hat sich natürlich auch viel getan in den letzten Jahren, aber trotzdem so ein richtig klares politisches Statement, Österreich ist ein Einwanderung- oder Migrationsland, gibt es eigentlich bisher in dem Sinne nicht, also auch im Unterschied zu Deutschland in den letzten Jahrzehnten. Sie wissen auch natürlich, dass das Österreich gewissermaßen, und dann sind wir vielleicht auch gleich bei einem der großen Komplexe, die wir hier im Blick behalten sollten oder müssen bei diesem Thema, dass Österreich natürlich eines der Vorreiterländer ist, was die Etablierung eines Populismus, eines Rechtspopulismus in Europa angeht, der nicht zuletzt gerade mit dem Thema Migration arbeitet und dieses Thema systematisch ausschlachtet. Das beginnt in Österreich eben bereits Mitte der 80er und dann spätestens richtig in den 90er Jahren. Könnte man viel zu sagen, wäre ein eigener Vortrag. Hat nicht nur etwas mit der Entwicklung rechtspopulistischer Parteien wie der FPÖ in Österreich zu tun, sondern auch ganz viel, wie man in Österreich sehen kann, daran, wie die anderen Parteien darauf reagieren oder nicht reagieren oder das Terrain dafür auch teilweise vorbereitet haben, aber nichtsdestotrotz ist in Österreich mit der FPÖ nach Jörg Haider Mitte der 80er Jahre sicherlich eine der entscheidenden Vorreiterländer für die Entwicklung eines europäischen Rechtspopulismus. Und Sie wissen, dass wir seit kurzem eben auch wieder die FPÖ in gewandelter Form in der Regierung haben. Also heißt nur zusammenfassend für uns alle hier, glaube ich, und für unser Thema, und das ist Ihnen eben jetzt keine Überraschung, aber trotzdem tun wir, glaube ich, gut daran, das immer wieder im Kopf zu behalten, dass wir in einem extrem politisierten Feld unterwegs sind und eigentlich mit unseren Forschungen natürlich auf die ganz zentralen gesellschaftlichen Debatten abzielen, die auch ja schon hier in der Einleitungsrunde benannt sind, also Migration im weitesten Sinne. Das ist ein Begriff, den du jetzt, Gwenola, gar nicht erklärt hast am Anfang, aber der wäre ja auch erklärungsbedürftig. Was zählen wir eigentlich als Migration? Können wir vielleicht auch noch im weiteren Verlauf dieser beiden Tage drüber reden. Machen wir auch einen harten Schnitt oder versuchen wir eine Differenz einzuziehen zwischen Flucht und anderen Formen der Migration? Macht das historisch Sinn? Macht es für unsere Arbeit Sinn, wenn es hier um diese Repräsentationsfragen geht? Ich bin da eher skeptisch, aber da kann man auch, glaube ich, heftige Debatten zu führen, gerade wenn man Flucht einfach
reinholen will in so einen allgemeinen Migrationsbegriff und auflösen will als eigenes Faktum, weil das natürlich auch dann juristische Konsequenzen hat, etc. Das ist aber offensichtlich, dass wir in einem Feld unterwegs sind, das hochpolitisiert ist, das gewissermaßen also täglich öffentlich verhandelt wird, Islamophobie etc., die ganzen Stichwörter laufen bei Ihnen im Hinterkopf ab, und das begrenzt sich weder auf Österreich noch auf Deutschland noch auf Europa, sondern ist weltweit ein Phänomen. Sie können das in den, insofern ist vielleicht jetzt hier die, das nächste auch nochmal ganz interessant. Sie können das gewissermaßen europaweit sich natürlich anschauen, wie mit diesem Thema Migration umgegangen wird, und Sie sehen eben hier also Percentage of Immigrant, wieder Foreign-Born Population auf die europäische Landkarte projiziert, und Sie sehen eben hier Österreich, Schweiz, Deutschland, Luxemburg als die Länder mit dem höchsten Anteil, und Sie sehen dann eben hier die osteuropäischen Länder mit also einem geradezu lächerlichen Anteil an Migranten, hier 1,6%, 1,1 etc. und hier Westeuropa, also Sie sehen hier gewissermaßen diesen alten Divide des Eisernen Vorhangs nochmal jetzt reaktualisiert auf die Zahlen von Menschen mit Migrationserfahrung in den Ländern, und Sie wissen, wie die entsprechenden Politiken in den osteuropäischen Ländern, Ungarn, Polen etc., Tschechien und so weiter zu diesem Thema aussehen, aber Sie wissen auch, dass es auch für Donald Trump ein zentrales Thema im Wahlkampf gewesen ist, die The Wall an der Grenze zu Mexiko, illegale Immigration, sogenannte, etc. Also es ist tatsächlich ein hochpolitisiertes Feld, in dem wir unterwegs sind, und ich glaube, das macht natürlich etwas mit unserer Forschung, und es gibt einen ganz großen, glaube ich, auch das kann man vielleicht in den nächsten zwei Tagen nochmal ein bisschen mehr vertiefen, gibt ja auch einen gewissermaßen einen ganz großen Gap oder ein ganz großes Auseinanderklaffen zwischen der öffentlichen Debatte und politischen Debatte über Migration inzwischen und der wissenschaftlichen Debatte zu diesem Thema oder auch eben der Debatte in solchen Feldern wie der Museologie oder in Museen als Institutionen etc. Das ist ja inzwischen wahnsinnig auseinandergegangen. Gleichzeitig ist auch klar, dass diese Debatte selbst, in der wir uns hier befinden, also diese Debatte über Migration, Erinnerung, Repräsentation, so weit und weitläufig und unübersichtlich wie sie ist, ja auch eine ist, die eine irre Dynamik in den letzten Jahren entfaltet hat, also dass man kaum mitkommt, wenn man auch vor allem das eigene Land verlässt und die entsprechenden Paralleldebatten gewissermaßen in anderen Ländern verfolgen will, dann wird es ja sehr, sehr schnell unübersichtlich, weil sich da wirklich in den letzten, glaube ich, 10 Jahren enorm viel getan hat. Und das hat eben nicht nur etwas mit dieser sogenannten Krise 2015 zu tun, wobei ja da die auch die interessante Frage ist, warum wir das überhaupt als Krise wahrnehmen. Das ist ja auch ein sehr eurozentristischer Blick, das als Krise zu verstehen, dieses Jahr 2015, und auch gewissermaßen vor einem weiteren historischen Blick, wenn man sich Zahlen im Vergleich anschaut zu Fluchtbewegungen in anderen Zeiten des 20. Jahrhunderts. Ist ja wirklich sehr bemerkenswert, dass plötzlich 15 als so krisenhafter Moment wahrgenommen wird. Natürlich gibt es auch Argumente dafür, schon richtig, aber es ist doch irgendwie sehr, sehr bemerkenswert, da glaube ich, und das ist dann vielleicht auch der nächste Punkt schon, der uns alle, nehme ich an, in unserer Arbeit umtreibt, wie viel von Migrationsgeschichten und Migrationserfahrungen vergessen wurde, was eben dazu führt, dass wir eben heute, glaube ich, immer noch trotz der Dynamiken in den letzten Jahren konstatieren können oder müssen, dass Migration im Wesentlichen eine Leerstelle in den meisten, nennen wir es jetzt mal, kollektiven nationalen Gedächtnissen, schrecklicher Begriff, könnte man auch lange drüber diskutieren und in Frage stellen, aber trotzdem eine Leerstelle in diesen nationalen Gedächtnissen ist, trotz allem, was sich in den letzten Jahren getan hat. Und wenn man eben so einen, wir haben heute früh auch schon über diese Notwendigkeit eines weiteren historischen Blicks
gesprochen. Dann sind wir natürlich auch gleich schnell in dieser Debatte, der wir uns, glaube ich, auch immer stellen müssen. Also inwieweit erklären wir Migration überhaupt eben als ein Grundelement von Geschichte? Inwieweit ist Migration eine anthropologische Konstante gewissermaßen? Was den Begriff dann auch sehr verwischen lässt teilweise. Ich finde, wir sind natürlich auch immer aufgerufen, das möglichst konkret die Rahmungen eben von Migration und Migrationsbewegungen zu beschreiben. Trotzdem kann man natürlich sagen, ohne Migration keine Geschichte. Das wird ja auch oft dann als in die Debatte eingeworfen, ist aber natürlich auch etwas gefährlich, weil es ist total entgrenzt und dann sehr unklar und verschwommen werden lässt. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns vor Augen führen, wie präsent Migrationen der unterschiedlichsten Formen, ob Flucht oder Arbeitsmigration, in praktisch allen letzt vergangenen Jahrhunderten gewesen sind, vor allem auch im 20. Jahrhundert gewesen ist, auch Fluchtmigration vor allem in riesigen Ausmaßen, nicht nur im Gefolge der beiden Weltkriege, dann ist es doch erstaunlich, wie weitgehend unsere Gesellschaften das in dieser Phase nach dem Zweiten Weltkrieg verdrängt haben und zu einem totalen Sonderphänomen erklärt haben, das eigentlich mit uns irgendwie nichts zu tun hat und eben ein Spezialfall ist, aber nicht der Normalfall. Also ich glaube, dieses Vergessen von Migrationsgeschichten und Migrationserfahrung ist doch irgendwie eine ganz erstaunliche, ein ganz erstaunlicher Befund in Anbetracht der Omnipräsenz eigentlich von Migration in der Geschichte. Nur vielleicht ganz kurz als Zitat, was für mich immer so der Ankerpunkt ist für Debatten über Migration und Erinnerung und die Rolle von Historikern oder die Rolle überhaupt von Geschichte in diesem ganzen Kontext. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Geschichte überhaupt eine Rolle spielen soll in diesen Zusammenhängen. Darüber müsste man sich ja auch nochmal verständigen, was ist eben überhaupt das Wichtige daran, dass Migration in der Geschichte, in der Geschichtsschreibung sichtbar ist und vorkommt. Alfred Schütz, selbst Migrant, Emigrant, wie Sie wissen, hat 1944 schon, also während des Zweiten Weltkriegs noch, in seinem Essay The Stranger, also der Fremde, formuliert, seen from the point of view of the approach group, he, aber natürlich he damals nicht gegendert, klarerweise, he, the stranger, is a man without history, also das Fehlen von Geschichte macht den Fremden aus, und das heißt auch, solange wir gewissermaßen dem Fremden keine eigene Geschichte zugestehen, wird er uns fremd bleiben im Umkehrschluss. Und ich glaube, von dem Zitat aus kann man ganz gut nachdenken eben über die Rolle von der Geschichtswissenschaft in diesen ganzen Debatten um Migration und warum das gewissermaßen nicht nur eine Luxusfrage ist, dass Migration auch in der Geschichte und in der Geschichtsschreibung sichtbar ist. Sie wissen gleichzeitig natürlich, aber auch das ist, glaube ich, bei allen diesen Themen, und das ist, gilt vor allem für die Geschichtswissenschaft, aber nicht nur, auch für, glaube ich, alle anderen Disziplinen, aus denen wir hier in diesem Raum kommen oder in diesem Feld, das sich mit diesem Thema beschäftigt, kommen. Das hat ganz viel mit unseren disziplinären Geschichten zu tun. Auch das ist Ihnen allen bewusst, aber ist, glaube ich, immer gut nochmal aufzurufen und im Hinterkopf zu behalten, wie eng auch die Formierung der Geschichtswissenschaft als Wissenschaft im 19. Jahrhundert eben gekoppelt ist an den Nationalstaat, damit eben dieser nationalstaatliche Blick als der Dominante sich durchsetzt und die Geschichtswissenschaften sich erst sehr langsam auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich aus diesem nationalstaatlichen Korsett zu lösen versuchen und das gewissermaßen zu transzendieren versuchen. Damit sind eben auch, oder daran sind eben auch gekoppelt die Geschichten, glaube ich,
von den beiden Institutionen, die uns hier vielleicht hauptsächlich auch heute und morgen interessieren, nämlich zum einen einmal Archive als die Infrastrukturen, die die Quellen bereithalten, damit wir überhaupt Geschichte schreiben können, die natürlich genauso von dieser Geschichte der nationalstaatlichen Vereinnahmung, oder es ist ja nicht nur eine Vereinnahmung, sondern diese Wissenschaft hat ja auch gerne diese Aufgabe im 19. Jahrhundert angenommen, ist natürlich auch davon affiziert als Institution. Und nicht zuletzt eben auch und vor allem das Museum, das ja noch in viel weiteren Bezügen steht mit seinen Gründungsgeschichten. Wir wollen ja jetzt hier keinen Vortrag über New Museology machen und Sie haben alle Tony Bennett gelesen und so, also Sie haben das alles im Hinterkopf, aber es ist klar, wie eng auch die Institution Museum nicht nur mit der Geschichte des Nationalismus und der Nationalstaaten natürlich verknüpft ist, sondern eben auch gleichzeitig mit der Geschichte von Kolonialismus und gewissermaßen des europäischen Ausgreifens auf den Rest der Welt. Und das hat diese Institution Museum natürlich nachhaltig, glaube ich, geprägt und beeinflusst. Und gewissermaßen, wenn wir hier diese Debatten über Migration im Museum führen, dann arbeiten wir uns, glaube ich, auch immer noch an diesem Setting ab, dass das Museum eben zum einen der Ort der Darstellung des eigenen ist und zum anderen dann eben Institutionen, Museen geschaffen werden, die eben zur Darstellung des anderen, des Exotischen etc. dienen. Das ist eben nicht nur mit der Wissenschaftsgeschichte, der Geschichtswissenschaften eng verknüpft, sondern wie Sie wissen auch der Volkskunde, der Anthropologie etc. Also ich glaube auch unsere eigenen Wissenschaftsgeschichten, je nachdem aus welcher Disziplin wir kommen, sind auch immer ganz, ganz zentral im Blick zu behalten, weil sie doch weiterhin sehr stark formatieren, was wir hier auch in diesem Feld zu tun versuchen, beziehungsweise wenn wir uns daran abarbeiten, ist es eh klar, dass wir uns daran, also damit auseinandersetzen. Ich will jetzt hier nicht in so eine, also man könnte jetzt natürlich hier was zu den unterschiedlichen Ländern sagen, eben auch nur Deutschland, Österreich, und wenn man das dann schon mit Frankreich vergleicht, also wie auch unterschiedlich die Voraussetzungen sind mit Kolonialgeschichte, also Frankreich natürlich einer sehr präsenten und offensichtlichen Kolonialgeschichte, Deutschland einer weitgehend verleugneten Kolonialgeschichte, Österreich einer noch weiter verleugneten, noch mehr verleugneten und unsichtbareren Kolonialgeschichte, über die man natürlich auch lange reden kann, ob gewissermaßen die Herrschaft der Habsburger am Balkan irgendwie so etwas wie eine Kolonialherrschaft ist. Komplizierte Debatten, sehr unterschiedliche Voraussetzungen in den Ländern, auch das gilt es, glaube ich, hier natürlich in diesen nächsten, also heute und morgen im Blick zu behalten, wie unterschiedlich jeweils in den Ländern die Voraussetzungen für das sind, worüber wir hier zu reden versuchen, weil das natürlich diese museale Landschaft ganz stark geprägt hat, aber auch eben die Geschichtswissenschaft ganz stark geprägt hat, darum bestimmte Dinge präsent sind in der Öffentlichkeit und andere Dinge nicht, bis hin natürlich, wie Sie wissen, zu den unterschiedlichen Staatsbürgerschaftsrechten, weil wir hier auch die rechtliche Dimension schon angesprochen haben, wo Sie ja wissen, dass natürlich Deutschland und Frankreich gewissermaßen idealtypisch zwei unterschiedliche Konzepte vertreten, die aber bei genauerem Hinsehen vielleicht dann auch nicht mehr so ganz klar unterscheidbar sind, aber von der Idee her natürlich diese beiden Konzepte eines auf Blut und eines auf Boden gerichteten Rechts gewissermaßen davon abgeleitet werden und natürlich auch eben die unterschiedlichen Debatten und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen damit prägen. Also wenn ich vielleicht, das Blöde, ich kann hier leider die Zeit nicht im Blick halten gleichzeitig. Okay. Du gibst mir irgendein Zeichen, wenn wir uns auf halb nähern oder so. Ne? Also vielleicht nur ganz kurz noch zu Geschichtsschreibung, Archive und Museen als den drei gewissermaßen großen Blöcken, die natürlich eng miteinander verschränkt sind, die aber auch nicht ausschließlich, aber doch zentral hier heute und morgen sind. Wir weiten ja den Blick auch noch und gehen
tatsächlich auf öffentliche Repräsentationen und die Medien auch hier, aber darauf kann ich jetzt nicht eingehen, aber gleichzeitig ist damit eben auch klar, wie eng verschränkt diese Dinge sind und wie das, was wir tun, natürlich immer einen Widerhall gleich in einer weiteren Öffentlichkeit hat und auch in den Medien sich spiegelt oder das sich eben immer gegenseitig auch beeinflusst. In der Geschichtsschreibung, also ich denke, wir müssen vielleicht in dem Kreis, macht es jetzt, glaube ich, keinen Sinn, groß darüber zu reden, warum es wichtig ist, dass Migration in der Geschichtsschreibung abgebildet wird, dass das etwas mit Anerkennung zu tun hat. Ich glaube auch, dass sich das gewissermaßen dann spiegelt eben in der gleich im politischen Bereich. Also wer in der Geschichte nicht sichtbar ist, hat eben auch keine Stimme, um es jetzt mal so runterzubrechen. Also ich glaube, das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Und da hat eben also keine Stimme in der Gesellschaft und ist eben nicht repräsentiert und nimmt darum auch an den anderen Repräsentationsvorgängen in der Gesellschaft und Politik nicht teil. Also ich glaube schon, dass damit irgendwie die Aufgabe der Geschichtswissenschaften beschrieben ist. Mein Eindruck ist, obwohl sich auch in diesem Feld in den letzten Jahren viel getan hat, und wie gesagt, ich kann das jetzt vor allem nur für den deutschsprachigen Bereich beurteilen, mein Eindruck ist, dass es trotzdem bisher eigentlich keine tiefgreifende Debatte in der Geschichtswissenschaft darüber gibt, was es heißt, Migrationsgeschichte als Teil der Geschichte zu schreiben, was das für Konsequenzen hat, wie das getan werden müsste und so weiter. Es gibt natürlich einen gewissermaßen definierten Bereich, der sich mit Migrationsgeschichte auseinandersetzt, und der wird auch immer größer und ist auch inzwischen sehr sichtbar geworden, nicht zuletzt auch in Deutschland eben in den letzten Jahren. Es gibt natürlich ganz fantastische Einzelstudien zu diesen und jenen Themen, aber ich glaube, in der Zunft, wie wir immer gerne im Deutschen sagen, ich weiß gar nicht, ob man das ins Französische übersetzen kann, in der Zunft, ich glaube, oder habe nicht den Eindruck, dass eine Debatte stattgefunden hat darüber, was das eben tatsächlich für die Geschichtswissenschaft bedeutet, ob das eben nur ein isoliertes Feld ist, das man jetzt auch beackern muss, oder ob das gewissermaßen unseren gesamten Blick auf Geschichte verändert und was das eben dann heißen würde. Ja, um es jetzt mal so zu sagen, ich denke, darüber werden wir eben heute und morgen noch weiterreden. In den Archiven, um dazu kurz was zu sagen, hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren tatsächlich einiges getan. In Frankreich gibt es natürlich dieses tolle Beispiel von Générique. Leider haben wir von Générique niemanden, der vorträgt, oder? Was eigentlich sehr schade ist. Das haben wir, wollten wir, aber ist uns nicht gelungen, obwohl das eigentlich ein super Projekt ist. Und also geradezu beispielhaft, glaube ich. Darum wäre das sehr spannend gewesen. Es hat sich natürlich in Deutschland einiges getan. Sie wissen das ausgehend von DOMED, also gewissermaßen einem migrantischen Projekt, das jetzt auch schon über 20 Jahre alt ist in Köln. Von türkischen Migranten angeregt, dann ausgeweitet auf Migration in Deutschland allgemein, das da Standards gesetzt hat und das, glaube ich, dann ganz stark die Archivszene beeinflusst hat haben wir auch schon heute früh gerade mal ganz kurz drüber geredet, mit glaube ich, so wichtigen Leuchtturmprojekten in München und anderen Orten mittlerweile. Auch in Österreich hat sich da in den letzten Jahren viel getan. Das ist sehr stark runtergebrochen worden auf die Bundesländer. Es ist ganz stark, auch das finde ich interessant, wenn wir uns die Frage stellen, wer sind die Akteure in diesem Feld? Das wird ganz stark getragen, nicht von wissenschaftlichen Institutionen, sondern ganz oft von NGOs, Migrantenberatungsorganisationen, die da mit drin hängen, die da eine bestimmte Dynamik erzeugen. Das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt für heute und morgen. Wer sind eigentlich die Akteure und Akteurinnen in diesem Feld? Und da reden wir eben ganz oft und in vielen Fällen nicht über etablierte wissenschaftliche Akteure, Universitäten oder Ähnliches oder Forschungseinrichtungen, sondern ganz oft über NGOs, über migrantische Communities, Vereine,
die ganz zentral sind, die natürlich auch ein ganz zentraler Forschungsgegenstand sind, die Rolle von migrantischen Vereinen und die aber auch hier wiederum jetzt, glaube ich, eine ganz wichtige und zentrale Rolle spielen. Das finde ich auch ganz spannend, wo sich natürlich Allianzen ergeben über die verschiedenen Felder hinweg und wo eigentlich, glaube ich, auch nur mit solchen Allianzen über die verschiedenen Felder hinweg solche Projekte realisiert werden können, siehe eben auch DOMIT in Köln oder Generik, die ja jetzt auch keine etablierten universitären Projekte sind oder wissenschaftliche, sondern eben aus den Communities raus kommen und davon zehren und dadurch auch ihre Dynamik erhalten. Also ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Es wird eben auch nochmal klar, also das ist auch in allen meinen Projekten in Österreich klar geworden, aber das kennen Sie auch alle, welche Funktion tatsächlich Archive haben und welche Macht sie ausüben, indem sie entscheiden darüber, was sie aufbewahren und was nicht. Also es ist uns in ganz vielen Fällen passiert, dass wir wussten, dass irgendwo Material ist und das dann tatsächlich vernichtet wurde, natürlich immer im Hinterkopf mit der Überlegung, aha, das ist ja eigentlich kein Material für die österreichische Geschichte, das müssen wir also nicht aufheben. Und also da sehen wir natürlich auch, welche Rolle Archive bei diesen Ausschlussmechanismen spielen und eben welche Machtinstitutionen sie eigentlich sind und wie nachhaltig sie unsere Arbeit dann beeinflussen und sie nicht einfach Institutionen sind, die Dinge aufnehmen. Und dann eben, aber ich kriege jetzt hier schon die Uhr gezeigt, bevor ich zum eigentlichen Punkt komme, und dann könnte man jetzt natürlich stundenlang über die Museen reden. Und ich glaube tatsächlich, dass die Debatte im Feld der Museen die Debatte ist, die in den letzten Jahren am intensivsten und fruchtbarsten geführt wurde. Ja, viel mehr als in den Geschichtswissenschaften allgemein und auch in den Archiven. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ich glaube, da ist eine irre Dynamik drin. Sie können alle zig Ausstellungen jetzt auflisten, die Sie teilweise vermutlich selbst mitgestaltet haben, an denen Sie mitgearbeitet haben. Ich glaube, das ist doch tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Und Sie wissen auch, dass es abgesichert wurde gewissermaßen von UNESCO-Initiativen und anderen Geschichten, wo Museen eine spezielle Rolle zugewiesen bekommen haben. Sie kennen alle dieses Papier vom Deutschen Museumsbund vielleicht, das tatsächlich ein gutes und interessantes Papier ist, worüber man gut diskutieren kann als Grundlage. Das versucht so Standards einzuziehen, wie mit dem Thema umzugehen ist oder vielleicht auch langfristig sich Museen verändern könnten. Das finde ich doch irgendwie ganz bemerkenswert. Ich möchte vielleicht nur ganz am Schluss nur noch 3, 4, 5 Punkte nur so reinschmeißen für die Diskussion im Sinne von Herausforderungen. Zumindest in Deutschland und in Österreich haben wir uns in den letzten Jahren sehr stark auf diese sogenannte Arbeitsmigration der 50er, 60er, 70er Jahre fokussiert, wäre mein Eindruck. Es sind Begriffe entstanden, ich weiß nicht, inwieweit die inzwischen gewissermaßen ihren Weg nach Frankreich gefunden haben, wie Postmigration, aber das Postmigrantische kennen Sie, Postmigration, auch im Englischen natürlich, also Sie wissen, wie das ist mit dem Post in postkolonial etc., heißt nicht, dass es vorbei ist, trotzdem entsteht der Eindruck, als wäre da auch in der Migrationsgeschichte was abgeschlossen und als gehen wir in eine Phase über, wo das eben nur noch als Teil der Geschichte zu behandeln ist und verhandelt werden kann, und dann damit blenden wir natürlich eben tatsächlich gegenwärtige Migrationsbewegungen vollkommen aus. Also ich glaube, für uns tatsächlich im deutschsprachigen Raum zumindest ist es eine Frage, wie kommen wir von diesem Fokus auf die sogenannte Gastarbeitermigration weiter zu einem weiteren Blick auf Migration, den wir sicherlich immer alle schon im Hinterkopf hatten, aber wie sich das auch in die Arbeit dann übersetzt und was das für Projekte erfordert, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Ein Begriff oder ein Konzept, das mich in der letzten Zeit immer mehr irgendwie bewegt, und das kennen Sie in Frankreich alle besser, weil es, glaube ich, in der deutschen Debatte nicht so präsent ist, von Glissant, diese
also auch das Recht auf Unsichtbarkeit zu etablieren, Opacité, ist glaube ich, in dieser deutschen postkolonialen Rezeption nicht ganz so stark, Glisson, wie das hier bestimmt in Frankreich präsent ist, weil wir natürlich immer auf das Recht, über das Recht von, auf Sichtbarkeit und Stimme in der Geschichte reden und Glisson eben dagegen setzt auch ein Recht auf Unsichtbarkeit. Das finde ich doch irgendwie ganz, ganz spannend und überlegenswert, was das eigentlich für unsere Anstrengungen bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen Migration sichtbar machen, weil er darauf beharrt, dass es ihm auch ein Recht gibt, unsichtbar zu sein. Das heißt auch nicht, dass man eben nicht, also nicht auf einem zugegriffen werden kann, man nicht vereinnahmt werden kann, auch nicht für die Geschichte des Nationalstaates etc. Das, also ich kann da auch final irgendwie nichts zu sagen, weil irgendwie behaupten wir trotzdem immer noch, sonst könnten wir unsere Projekte ja gleich schreddern, dass uns diese Sichtbarkeit wichtig ist. Aber ich finde es irgendwie ganz spannend, diese Frage zu stellen, wie schaut es mit diesem Recht auf Unsichtbarkeit aus, anschließend an diese Bemerkungen von Glisson in seinen Texten und an diesen Begriff von ihm. Und dann vielleicht ganz am Schluss, weil wir auch immer über Anerkennung natürlich reden, habe ich vorhin auch gemacht, diese Ambivalenzen, die auch in der Anerkennung drinnen sind, weil wir natürlich immer noch mal mit Anerkennung auch die Differenzen wieder reproduzieren und festschreiben. Also wir schaffen natürlich auch in unseren Arbeiten, auch selbst, wenn wir in solche Ausstellungsprojekte involviert sind, immer noch mal die Migranten, den Migranten in Ausstellungen. Und wir wissen, es gibt natürlich bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, die man ergreifen kann und Dinge, die man im Hinterkopf halten kann, aber trotzdem sind wir auch immer wieder bei der Sichtbarmachung eben Teil der Reproduktion dieser Differenz, dass Migranten etwas Abgesondertes sind, was wiederum verhindert das, was wir ja eigentlich fordern, dass sie als inklusiver Teil der Geschichte und Gesellschaft gedacht werden. Und ich glaube, diese Ambivalenz immer im Hinterkopf zu halten und die Frage zu stellen, was das mit unserer Arbeit macht und was das für unsere Arbeit bedeutet, ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Und damit war ich jetzt schon viel zu lange und wir können gerne noch über alles diskutieren. Ja, vielen Dank, Dirk Rubner, für diese einführenden Worte in unser Thema. Ich möchte ganz kurz nur hinzufügen zu dem, was du zuletzt gesagt hast, dass man im Münchner Stadtmuseum versucht, die Migration in die Stadtgeschichte zu integrieren. Also das Stadtmuseum gibt es schon. Im Januar habe ich das mit einem Kollegen besucht und er hat also die Orte angezeigt, an denen demnächst, also Migration sozusagen in der Stadt integriert werden soll in dieses Museum. Also nicht am Rand, sondern dann tatsächlich als integraler Bestandteil der Stadtgeschichte. Genau. Bon, maintenant c'est à vous, donc je ne veux pas parler davantage, donc des questions, des commentaires, tout est permis. Venola. Ja, vielen Dank, lieber Dirk. Das war spannend. Es hat uns sehr gut ins Thema angeführt, finde ich mal. Ich will gleich eine deiner letzten Ideen mal aufgreifen und über Postmigration, diese Diskussion über Postmigration, ob der Begriff eigentlich ein guter Begriff ist oder nicht. Natürlich kann das problematisch sein, wenn es dann bedeuten soll, dass wir die Migration schon hinter uns haben und dass es dann erledigt wäre sozusagen. Ne? Aber ich könnte mir denken, dass der Begriff eigentlich postmigrantisch oder postmigrantische Gesellschaft auch eine andere Bedeutung haben kann, und zwar die, dass wir schon Migranten aufgenommen haben und jetzt sind wir dabei und müssen wir sie irgendwie nicht integrieren im traditionellen Sinne, sondern wir müssen uns selber damit befassen, wie wir selber zur globalen Integration unserer Gesellschaft, also wie wir das veranstalten können und ob wir das bewältigen können eigentlich. Also postmigrantisch im positiven Sinne, im Sinne, dass wir jetzt diese Migration, die wir mitgemacht haben, woran wir gearbeitet haben und woran wir auch irgendwie schuld sind, also dass wir da was machen können, dass wir uns selber bemühen.
Also ich stehe dem Begriff auch gar nicht so skeptisch gegenüber, aber es gibt natürlich heftige Debatten dazu auch. Ne? Also völlig richtig, ich glaube, dass der Begriff viel leistet. So eine Normalisierung eben, eine Abklärung nochmal, ja, wir sind eine Migrationsgesellschaft und es gibt bereits Menschen, die eben auch gar nicht mehr migriert sind, die trotzdem aber diese Zuschreibungen bekommen und wir müssen damit umgehen in der Gesellschaft, das betrifft auch nicht mehr nur die Migranten und so, also was aber auch schon mit dem Begriff der Migrationsgesellschaft irgendwie geleistet wurde. Also ich bin eigentlich gar kein Feind gewissermaßen von diesem Begriff, aber es gibt natürlich Debatten darüber und ihm ist vorgeworfen worden, dass er gewissermaßen den Eindruck erweckt, als wäre da schon etwas abgeschlossen. Er fokussiert, glaube ich, auch natürlich in den Debatten ganz stark eben auf diese sogenannten Gastarbeiter und deren Following Generations gewissermaßen und was das eben mit der deutschen oder österreichischen Gesellschaft gemacht hat. Und es gerät da, glaube ich, auch ein bisschen im Außenblick, aha, wie handeln wir dann jetzt eigentlich die aktuellen Migrationsbewegungen. Ja. D'autres questions? Achso, jetzt brauche ich aber dann einen, außer du übersetzt mir das schnell. Oui. Bon, je m'exprime en français, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. J'ai été interpellé par l'évocation de Glissant sur un droit à l'invisibilité. Alors, ça m'interpelle forcément en tant que juriste, hein. Je me demande si sur cette question de la migration, il n'y a pas véritablement une mutation qui s'est opérée. C'est vrai que dans les années 70, on avait une migration qui était essentiellement liée à la recherche de travail. Et donc, dans cette période, il s'agit plutôt d'une recherche de l'indifférenciation des droits, c'est-à-dire agir de telle sorte que les individus soient placés dans une situation d'égalité. Aujourd'hui, il me semble que ce n'est plus véritablement la problématique. Je serais tenté de dire qu'il y a un renversement des perspectives, on est plutôt dans une recherche de visibilité. C'est-à-dire que les individus migrants cherchent aussi à être reconnus, à être visibles dans la société en tant que citoyens, à être représentés d'un point de vue politique. Alors, cette recherche de visibilité n'est pas en soi forcément, je dirais, quelque chose qui constitue une fracture par rapport à la lecture universaliste classique, mais on est plus dans une recherche d'égalité formelle, mais dans une recherche d'égalité réelle. Et cela passe aussi par le prisme de l'histoire, c'est-à-dire que à cette évocation de l'homme sans histoire, je crois que aujourd'hui il est question plutôt de l'homme qui vient avec son histoire. Les individus cherchent aussi à avoir une mémoire de leur passé. Ils veulent être reconnus avec leur propre histoire dans un présent, bien évidemment, qu'ils acceptent relatif à un autre monde. Et je crois que là, il y a véritablement un rapport différent qui s'opère par rapport à la question migratoire. Okay. Yeah. Ja, also darüber habe ich jetzt noch gar nichts gesagt, aber darüber könnte man natürlich auch lange reden und das ist vielleicht ja auch nochmal Thema. Ne? Also wer hat überhaupt das Recht zu sprechen und also auch in diesen Feldern, um die es uns geht, oder hier Geschichtswissenschaft, wer hat etwas zu sagen in den Archiven, wer hat etwas zu sprechen in den Museen, also wer spricht da eigentlich, ja, und wie lassen wir eben auch unterschiedliche Perspektiven in diesen Formaten, auch in der Geschichtsschreibung, ne? Wie lassen wir die sichtbar oder hörbar werden, also wie bringen wir gewissermaßen die Stimmen auch von Migrantinnen und deren Erfahrungen in die Geschichtsschreibung ein oder wie bringen wir sie in die Ausstellungen ein, in den Museen, also wer hat hier die Stimme,
Also wir müssen über Sichtbarkeit und über Hörbarkeit reden, glaube ich. Ne? Und ich glaube weiterhin auch, dass das ganz zentral ist. Ich finde eben nur diesen Einwand von Glisson finde ich irgendwie bemerkenswert. Also wenn man ihn, ich glaube, das hat er ja gar nicht im Blick, aber oder daran denkt er gar nicht, aber eben wenn wir davon ausgehen, dass die Geschichte des Museums so ist, wie sie ist und wie ich sie ganz kurz habe versucht zu skizzieren und wie sie verknüpft ist mit Kolonialismus und gewissermaßen mit westlichen Erkenntnisregimen etc., die wiederum eng mit dem Kolonialismus verknüpft sind. Was heißt es, wenn wir eben diese Geschichte jetzt auch in Museen bringen wollen? Ja, inwieweit vereinnahmen wir sie auch? Inwieweit und also gewissermaßen unterwerfen wir sie noch einmal einem Blickregime, das eben auch hochkontaminiert ist aus dieser kolonialen Geschichte heraus, etc. etc. Ja? Und in diesem Kontext finde ich es nur ganz, ganz spannend, dass es eben diesen Einwand gibt, dass es ja auch so etwas geben könnte wie ein Recht auf Unsichtbarkeit, dass man eben nicht greifbar ist, dass man nicht vereinnahmt werden kann, dass man nicht in die Ausstellung oder Vitrine gestellt werden kann, etc. Ja? Und das also eben, ich glaube, das ist in der unserer Diskussion kommt das viel zu selten vor, weil für uns eben klar ist, dass Sichtbarkeit und Hörbarkeit, that's it. Also das ist der gewissermaßen der Maßstab oder da wollen wir hin. Und finde aber irgendwie ganz, ganz hilfreich, das nochmal von dieser anderen Seite auch zu beleuchten, weil natürlich diese Sichtbarkeit und Hörbarkeit auch ganz schnell so etwas wie Vereinnahmung bedeuten kann. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui m'est venu à l'esprit en vous écoutant. En fait, j'ai une collègue qui vient de publier, justement, enfin, qui est en train de publier un article sur un musée, enfin, un archive, enfin, des archives qui sont actuellement en train d'être mises en place à Rome, où on donne la parole aux réfugiés africains. Et ces réfugiés africains voulaient se faire entendre. Ils avaient besoin d'être écoutés. C'est pour ça que les Hörbarkeit a évoqué. Dire qui est très important pour moi, enfin, d'après moi, à côté de la visibilité. Donc, apparemment, c'était des personnes qui avaient besoin de s'exprimer, de raconter leur histoire. Et dans ce musée, enfin, dans ces archives plutôt, on récolte, enfin, on les écoute, on les enregistre, on leur donne des caméras. Donc, ils vont, eux, filmer l'Italie telle que eux, ils voient cette Italie. Donc ce sera, à mon avis, des archives formidables, mais ça rejoint ce que vous dites. Ceci dit, dans les années 70, on a eu aussi, par exemple, en Allemagne, des Turcs qui ont eux-mêmes mis en place des expositions pour gagner en visibilité, enfin pour se faire voir, en fait, pour aussi expliquer. Donc je pense que c'est complexe, en fait, oui. D'autres questions ? Also so richtig wie das alles ist, wollte ich trotzdem jetzt einfach mal meine Ungemütlichkeit, die ich habe mit dieser Diskussion, jetzt schon mal so artikulieren. Weil das Gegenstück zu all denen, die nun sichtbar, hörbar werden möchten oder vielleicht auch nicht möchten, das Gegenstück existiert ja nicht. Weil diese, jetzt Italien, Deutschland, bitte, was ist das? Ich kann es ja persönlich sagen, mein Familienname zeigt an, dass meine Vorfahren Französisch gesprochen haben. Das heißt nicht, dass ich jetzt gut Französisch spreche. Ich musste das mühselig lernen. Also wo bitte ist diese uniforme Gesellschaft? Die Deutschen, die Franzosen, die Kleinkleckersdorfer, wer auch immer, wo ist das? Wo neben dann die anderen sichtbar werden sollen? Ja, letztendlich sind alle Personen mehr oder minder migrantisch. Das ist schwer verhinderbar. Und ich denke, wenn man das zunächst mal gesehen hätte, fällt es auch sehr viel leichter, über bestimmte einzelne, jetzt gerade mal scheinbar quantitativ hochstehende Gruppen zu sprechen. So in den deutschen Geschichtsbüchern kommt immer Weißenburg in Franken, eine beschauliche Kleinstadt, in der man für 17. Jahrhundert nachgewiesen hat, dass binnen 100 Jahren alle Familiennamen verschwunden sind. Das heißt, im Jahre 100 war niemand patrilinear mit jemandem verbunden, der auch vor 100 Jahren schon dort gelebt hätte. Das ist einfach deutsche Realität und das wird in Frankreich nicht anders sein. Und da erübrigt sich diese ewige Fokussierung auf, was denn nun gerade ein migrantisches Phänomen war und ob man überhaupt dahinter gewesen sein kann. Also für mich ist postmigrantisch einfach postfaktisch. Das geht irgendwie nicht.
Ja, also das könnte man ja für Österreich genauso behaupten. Ne? Wir wissen ja, wie das mit dem Wiener Telefonbuch ist und den Namen da drin und so. Und das, also das gehört ja auch als Witz zum Allgemeingut in Österreich. Aber trotzdem leben wir in Gesellschaften, die das eben ständig verdrängen, oder? Also das ist ja das, das Erstaunliche. Also das ist ja eigentlich der Punkt. Also natürlich ist es so, eben das meinte ich ja vorhin, also diese Omnipräsenz eigentlich von Migrations- und Fluchterfahrungen, die ja praktisch keine Familie in Europa unberührt gelassen haben in irgendeiner Form. Und trotzdem dieses Verdrängen dieser Tatsache, auch im politischen Diskurs. Also ich glaube, das ist eben dieser Gap, der sich auftut und das Bemerkenswerte und woran wir uns abarbeiten. Also auch gerade Österreich ist schon ein sehr interessantes Beispiel in dem Zusammenhang. Ne? Also mit dieser natürlich Erfahrung der Habsburger Monarchie, multiethnisch, eben das Wiener Telefonbuch ist immer für einen Scherz gut, ne? Also weil man weiß, wie die Namen darin klingen, nämlich irgendwie nicht deutsch-österreichisch zumindest. Sie wissen vielleicht, dass in Mitte der 70er Jahre ist es auch noch als, also ist gewissermaßen diese Erfahrung aus der Habsburger Monarchie noch als Ressource begriffen worden oder wurde gewissermaßen versucht, kurz zu positionieren als Ressource im Umgang mit den Gastarbeitern, die dann in den 60er, 70ern kommen. Also da gibt es ein legendäres Plakat, alle Österreicherinnen kennen das sogenannte Kollerich-Plakat. Ich weiß nicht, ob das sonst schon mal jemand gesehen hat. Das ist von 73, glaube ich. Ich heiße Kollerich, du heißt Kollerich, warum sagst du Tschusch zu dir? Also das kann man jetzt nicht übersetzen. Der kleine Junge, der österreichisch gewissermaßen weiß ausschaut, heißt Kollerich. Der Gastarbeiter, der riesig daneben steht, heißt auch Kollerich. Natürlich, weil die Großgroß- oder Urgroßeltern von dem Jungen auch schon mal irgendwo aus Tschechien zugewandert sind. Also da wird eigentlich genau damit gespielt und wird es als Ressource zu begreifen, versucht auch diese Erfahrung aus dem Multiethnischen her, in diesen ersten Studien, die in Österreich gemacht werden, Anfang der 70er, sozialwissenschaftliche, unter dem Eindruck auch schon der ersten ausländerfeindlichen Referenten in der Schweiz dann, 70, wird in Österreich immer noch behauptet, sowas kann bei uns in Österreich nie passieren, weil wir haben ja diesen Erfahrungsschatz aus der Habsburger Monarchie und nie wird es die Stimmung in Österreich so kippen. Und dann passiert es halt 10 Jahre später. Ne? Also das ist ja irgendwie das Interessante, also diese Verleugnung eben genau des Offensichtlichen. Ne? Und ich glaube, das strukturiert doch dieses Thema eben ganz stark in praktisch allen europäischen Gesellschaften. Gut, Sie hatten sich gemeldet. Würden Sie sich ganz kurz bitte vorstellen? Jürgen Lotterer, mein Name aus Stuttgart. Ich habe keine begriffliche, sondern eine forschungspraktische Frage. Sie haben von der Macht der Archive gesprochen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt heute der einzige Archivar bin, der da ist. Ich vertrete nur ein mindermächtiges Archiv, das Stadtarchiv in Stuttgart eben. Aber trotzdem interessieren mich natürlich sehr diese Vernichtungsprozesse, die Sie angesprochen haben, die da in Österreich oder vielleicht auch bei uns stattgefunden haben. Natürlich, wenn Forschung beklagt, dass Quellen nicht da sind, ist es aus unserer Sicht etwas sehr schief gelaufen. Und da würde mich jetzt, ich muss mich da ahnungslos geben, jetzt der Hintergrund interessieren. Also was ist da aus Ihrer Sicht falsch gelaufen und wie haben Sie Kenntnis davon erhalten? Ja, da müssen wir jetzt lange drüber reden. Und also ich habe mich auch schon mal in Runden von österreichischen Archivaren unbeliebt gemacht und bin dann stark angegriffen worden und so. Bei aller Verliebtheit, das ist jetzt sehr gewagte Völkerpsychologie, ne? Aber bei aller Verliebtheit der Österreicherinnen und Österreicher für Geschichte ist es ums Archivwesen in Österreich echt schlecht bestellt, glaube ich. Ja? Also es gibt bestimmte Dinge, die systematisch nicht in den Archiven landen. Es gibt zum Beispiel keine gute archivalische Überlieferung für den österreichischen Gewerkschaftsbund und solche Sachen, weil die irgendwie das damit umgehen können, wie sie wollen und sie tun es halt nicht gut und hauen es dann weg bei Umzügen und so. Das ist natürlich auch ein wichtiger Player gewesen in dieser ganzen Gastarbeitermigration in Österreich. Ja. Also ich kann das jetzt nur, da könnte man jetzt wirklich Stunden drüber reden, ne? Aber also nehmen Sie nur der Anwerbeapparat, ja, also wenn wir jetzt über die Gastarbeitermigration sprechen, wieder der Anwerbeapparat in Österreich im Gegensatz zu Deutschland lief eben über die Wirtschaftskammer.
Und die hat diese Anwerbebüros in Belgrad und in Istanbul eingerichtet und hatte eine zentrale Stelle in Wien in der Bundeswirtschaftskammer. Kein Akt aus dieser zentralen Stelle hat irgendwie überlebt, von dem wir wissen. Es hat nur überlebt der Bestand der Anwerbestelle in Istanbul, weil derjenige, der die irgendwie 20, 30 Jahre bis zur Auflösung geleitet hat, es irgendwie wichtig fand und nach Wien geschickt hat, Belgrad. Die Akten der Anwerbestelle sind komplett vernichtet worden, weil man es nicht für wichtig hielt. Und so weiter und so fort. Ja, also das sind so Beispiele, die jetzt für diese Geschichte irgendwie interessant sind. Das könnte man fortspinnen. Ja. Und da sieht man, dass eben dieses Material, glaube ich, da sieht man, dass dieses Material und diese Geschichte für nicht sonderlich relevant gehalten wurde. Ja. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le... Oui, Herr Hahn. Hans-Peter Hahn, Université de Francfort. Je voudrais quand même revenir sur l'aspect de la société post-migratoire. Je komme auf die Gesellschaft, die post-migrantische Gesellschaft zurück. Et je pense quand même, vous vous êtes expliqué comme étant migrant, moi aussi je suis migrant, pour ma famille, le statut de citoyenneté, c'est MH, migrationshintergrund, c'est-à-dire contexte migratoire, c'est bien mentionné. On fait cette différence, et je pense que la différence entre ceux qui sont intitulés migrants, ceux qui ne sont pas migrants, c'est quelque chose de tout à fait artificiel, c'est devenu administratif, il y a un certain pouvoir qui est exercé avec cela. C'est pourquoi je pense que la notion post-migratoire, ça nous donne quand même une perspective différente de la société. Wir schauen anders auf die Gesellschaft, wenn wir von der post-migrantischen Gesellschaft sprechen. Okay, dann nehmen wir das als Schlusswort der Keynote. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank vor allen Dingen dir, Rupnov. Wir haben jetzt eine Kaffeepause bis 11 Uhr und beginnen dann um 11 Uhr mit der ersten Sektion. Nous allons donc reprendre nos débats. J'ai le plaisir de vous présenter Markus Walz pour cette première session sur la mémoire collective et la politique de l'histoire, collectives Gedächtnis und Geschichtspolitik. Markus Walz est professeur de muséologie théorique et historique
à l'école supérieure de Leipzig, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, une école supérieure donc spécialisée dans les études concernant la technique, l'économie et la culture. Monsieur Waltz est ethnologue et historien également, et il va nous faire une présentation sur les musées locaux et régionaux comme institution involontaire de construction de l'autre. Monsieur Waltz aurait pu d'ailleurs intervenir dans le panel de demain sur les musées. Pour des raisons pratiques, nous avons eu quelques petits échanges, et notamment un échange de Monsieur Waltz avec Monsieur Wiedemann, qui ne pouvait lui intervenir que demain. Mais ça va être une excellente introduction, je pense, à la thématique du colloque. Je cède la parole à Monsieur Waltz. Sie sind dran. Merci bien. Ich habe nur eine ganz kleine These mitgebracht, wenn Sie so wollen. Ich schaue auf die lokalen Regionalmuseen, die in Deutschland den weit überwiegenden die Mehrheit der Museen darstellen und wie die sich als die Identifikationsangebote der lokalen oder regionalen Bevölkerung zu den anderen verhalten. Ich will es ganz einfach anfangen. Man kann die lokalen Regionalmuseen nach dem Konzept der konzentrischen Kreise betrachten, dass sie sich jeweils auf bestimmte Territorien beziehen. Ein Ortsmuseum, ein Regionalmuseum, ein staatliches Museum. Das wäre also dann so im beliebigen Beispiel gegriffen. Das Historische Museum der Stadt Bamberg, das Haus der Bayerischen Geschichte und das Deutsche Historische Museum wären diese drei Radien, die sich gewissermaßen wechselseitig vertreten können. Was die Geschichte Bambergs betrifft, betrifft irgendwie auch die bayerische Geschichte und umgekehrt. In dem Sinne sind die Grenzen weich, aber sie sind zumindest am äußersten Rand offensichtlich scharf, weil dahinter kein größerer Radius mehr kommt. Wenn ich in irgendeines dieser Museen hineinschaue, kann ich also Gegenstände sehen, die ich als lokal, als regional oder als national empfinde. Und wenn ich Ihnen dieses Bild zeige, könnten Sie, auch wenn Sie in Deutschland aufgewachsen sind, nicht entscheiden, ob das jetzt Stadtgeschichte oder Landesgeschichte oder Regionalgeschichte oder einfach nur 50er-Jahre-Geschichte ist. Aber wenn Sie nicht aus dem Umkreis von Nierentisch und Tütenlampe kommen, dann sind sie ausgegrenzt und werden sich als in der Fremde empfinden. Und das ist das Grundprinzip, wenn man so will, der lokalen, regional bezogenen Museen. Zweite Betrachtungsebene dazu ist ein Begriff, den der Historiker Harm Klüting formuliert hat, dass die Lokalmuseen die Rückwärtigkeit des Örtlichen formulieren. Gemeint ist Folgendes. Ich nehme das bekannte vorliegende Konzept der Epochen der europäischen Geschichte, jetzt für Deutschland sage ich die europäische Geschichte oder die deutsche Geschichte. Das Konzept wird nicht weiter bearbeitet, sondern es wird betrachtet, als sei das für sich wahr und richtig. Und jetzt stanze ich da einfach den Ort oder die Region, die ich da repräsentieren soll, raus. Und wenn ich in diesen Fensterchen dann irgendetwas finde für das Mittelalter oder für die Bronzezeit, dann habe ich auf die Art und Weise schöne kleine Kleckse von Fakten, die in diesen Zeitfenstern datiert sind und die alle dieselben geografischen Koordinaten haben. Also Scherben mit GPS-Daten, wenn Sie es so formulieren wollen. Und da klebe ich jetzt einen Erzählungsfaden drunter. Unser Ort vom Urknall bis heute, obwohl diese Erzählung den Ansprüchen der Geschichtswissenschaft an eine historische Narration nicht entspricht. Aber das ist dann das Angebot eines Lokalmuseums. Der Trick dabei ist der, dass diejenigen, die in dem Ort heute leben, dafür das rote kleine Männchen, die schauen zurück in den Tunnel der Vergangenheit und alles, was jetzt in der Stanze für meinen Ort drin liegt, ist meine Geschichte. Bin ich ein grünes Männchen oder Fräuchen oder Nichtchen, dann ist eben nichts zu sehen. Das ist der Trick. Ich nenne das die Adoption von Vergangenheit. Die Steinzeit hat in dem Ort ja nicht stattgefunden, eine Scherbe ist da.
Ein Beispiel dazu, wenn ich historische Kleidungsstücke, kleine Verneigung nach Innsbruck, für betrachtenswerte vergangene Dokumente halte, dann ist das nicht nur direkt einfach so ein historisches Zeugnis von irgendwas, sondern durch meinen Zufallsfund, Foto rechts, es gibt heute noch Menschen, die den Kleidungsstil pflegen, der in den Vitrinen zu sehen ist, aber nicht alle. Und die Dame links im Bild kann sich jetzt abgegrenzt fühlen, sowohl von den anderen Gästen als auch von den Figurinen in der Vitrine. Ja? Es ist ein super Spaß gewesen, das Foto zu machen, und da die Menschen nur von hinten zu sehen sind, darf ich es auch zeigen. Als nächsten Schritt will ich kurz durch die gängigen Typologien, wie man die Strickmuster, wie lege ich ein Museum an, durchgehen, so wie sie in Deutschland entwickelt worden sind für die Lokal- und Regionalmuseen. Ich stelle Ihnen 6 verschiedene Typen vor und zeige Ihnen, wie das jeweils dann auch zu dem Thema, wer bin ich und wer die anderen, funktioniert. Der Typus Nummer 1, den ich diskutieren möchte, sind Typen, die also heute auch noch vorkommen, benannt als historisches Museum, ist ein Modell aus dem frühen 20. Jahrhundert, ist kein geschichtswissenschaftliches Modell und das geht in 3 Ausstellungsschritten vor. Ich habe naturbezogene Aspekte, Geologie, Biologie, dann habe ich prähistorisch oder ur- und frühgeschichtliche Aspekte, möglicherweise noch aus der römischen Zeit, wenn die in Deutschland je nachdem einschlägt. Und das dritte Fenster, Altertümer ist der Begriff hier, oder Sachzeugnisse können Sie so formulieren, und die sind jetzt thematisch durchsortiert. Sie sehen ja die Liste, also Familie, Hausrat, Kleidung, Wirtschaft, Staat, Gemeinde, Region, Konfession, Wissenschaft und so weiter, jeweils auf den entsprechenden Ort oder die Region bezogen. Wenn Sie also in der Schublade Wirtschaft in ein solches Museum hineintreten, sehen Sie vielleicht einen Kaufmannsladen, wie hier in diesem Beispiel. Und wenn Ihnen die darin gezeigten Produkte bekannt vorkommen, ist das auch Ihre Geschichte. Und wenn Ihnen die Produkte nicht bekannt vorkommen, sind Sie eben von auswärts eingewandert. Ende der Durchsage. Ne? Zweites Modell nennt sich Kulturhistorisches Museum. Anfang ist genauso, Ur- und Frühgeschichte. Jetzt kommt aber eine chronologische Struktur, aber eine stilgeschichtliche Struktur. Also die Epochen, die die Kunstgeschichte formuliert hat, werden als geschichtswissenschaftliche Epochen vorgetragen. Wenn in Ihren Ohren das falsch klingt, in den Ohren der Erfinder dieser Museen klang das ganz normal. Ein bis heute durchaus präsenter Typ, hier jetzt als ein Beispiel eine sehr modische Präsentation, Schweizerisches Landesmuseum Zürich, wenn Sie da hinschauen und Ihnen Figuren von Männern auf Eseln, die hintereinander auf dem Karren fahren, wenn Ihnen das nicht sagt, haben Sie Pech. Ja? Sie können natürlich die Erläuterungen dazu lesen. Wenn Sie darauf schauen und Ihnen das kulturell bekannt vorkommt, dann gehören Sie zum Mittelalter der Schweiz dazu. Das ist das Strickmuster. Ein beliebiges Bildbeispiel, nicht um Zürich zu kritisieren. Das ist dieser Museumstyp. Nächster Museumstyp, das Heimatmuseum, strikt ähnlich wie das historische Museum. Wieder dieser Naturbaustein, Geologie, Biologie, dann die Ur- und Frühgeschichte und jetzt nicht die ganze Breite kultureller Phänomene, sondern näher auf Alltagskultur, so sagt man im Deutschen, dann bezogen. Also wie wohnte man früher, wie kleidete man sich früher, wie arbeitete man früher, vielleicht so kurz zusammengefasst. Und das auch wieder achronologisch. Sie merken schon, das langweilt langsam. Ne? Man guckt in eine Wohnsituation, in einem Heimatmuseum und wenn Sie meinen, das sieht aus wie bei Ihrer Großmutter, dann gehören Sie dazu. Wenn das nicht so aussieht wie bei Ihrer Großmutter, dann können Sie sagen, ich bin Tourist oder tut mir leid, es ist nicht meine Geschichte. Nächster Schritt, das Geschichtsmuseum. Das wird Franzosen vielleicht überraschen. Die Geschichtswissenschaft hat in Deutschland die Museen erst nach 1945 entdeckt. Also die beiden deutschen Staaten haben auf sehr verschiedene Art und Weise Museen als Orte für Geschichte im Sinne von geschichtswissenschaftlicher Geschichte für sich entdeckt oder durchgesetzt. Und das Muster geht dann so, wenn Sie so wollen, wie Geschichte arbeitet, chronologisch,
Also um mein Muster beizubehalten, prähistorisch fängt es an und anschließend kommt dann eine chronologische Geschichte, die Identifikationsangebote für den Ort oder die Region oder das Land dann schaffen soll. Als Bildbeispiel habe ich dieses hier rausgesucht. Diese ist eine Dauerausstellung, die heißt Wir Rheinländer. Man bemerke, dass wir nicht die Rheinländer, sondern wir Rheinländer. Kleines Kompliment für eine Tagung in Frankreich. Das ist der Ausstellungsabschnitt zur französischen Verwaltungszeit, napoleonische Zeit. Die Rheinländer gehörten zum französischen Kaiserreich. Das Museum funktioniert wie ein Panoptikum. Also Sie schauen in Rauminszenierungen rein, in denen Figurinen Geschichte zeigen. Und da sehen Sie halt Administratoren der rheinischen Verwaltung in französischer Zeit. Dass es um wir geht, merken Sie nur, wenn Sie dort wohnen und sich auskennen. Alle Figurinen in diesem Museum haben Gesichter, die Sie kennen können, wenn Sie dort leben. Dann erkennen Sie den Wirtschaftsminister als den scheinbar gelben Herrn links im Bild. Ja, das ist amüsant. Aber das ist auch ausgrenzend, wenn Sie gar keine Ahnung haben, warum die Gesichter so verschieden sind und warum manche Leute lachen oder sich zunicken oder sonst was, wenn Sie diese Ausstellung besuchen. Das ist eine chronologische Geschichtspräsentation, so gesehen völlig unauffällig. Da können Sie auch aus Togo kommen und reingucken und sagen, ah ja, die wurden mal von Franzosen beherrscht, aber den wirklichen Sinn, wer sind wir, haben Sie nicht verstanden, wenn Sie den doppelten Sinn der Präsentation nicht bemerken. Nächste Möglichkeit, nenne ich mal historisches Themenmuseum, ist so ein Versuch, also im ausgehenden 20. Jahrhundert auszusteigen aus diesem Karussell der bisher gestellten Möglichkeiten, indem man Museen stärker nach anthropologischen Konstanten strukturieren wollte. Großer Vorreiter damals das Rheinische Landesmuseum in Bonn, dessen Gliederungseinheiten habe ich Ihnen hier hingeschrieben. Sie sagten ja heute zur Einleitung, Migration ist die anthropologische Konstante. Die kommt in dieser Liste nicht vor. Ne? Gott und Götter, Macht und Mächte, Außenkontakte, Familie, Tod und Trauer. Und das ist jetzt plötzlich die Darstellungsfolie von Vergangenheiten dieses Regionalmuseums. Ich habe ein Bildbeispiel, was ich finde gut dazu passt, herausgesucht unter dem Stichwort Unser Ort glaubt. Kommt da eine Dauerausstellung, die Ihnen römisch-katholisches Prozessionswesen vor Augen führt. Damit können Sie sich sehr verbunden fühlen, wenn Sie katholisch sind oder in einer katholischen Landschaft sind, sonst haben Sie mit dieser Präsentation ein Problem. Sie ist ja durchaus auch einschließend. Ne? Sie ziehen ja mit in diesem Zug. Und das ist unser Thema. Es ist nicht einfach nur in einer Vitrine ein paar alte Kelche oder so. Das ist ja ein Bild, in dem Sie mitspielen, ob Sie wollen oder nicht. Die Museumskolleginnen und Kollegen, die das immer noch ärgerte, haben das nächste Konzept dann hochgefahren. Das Museum als Schaudepot, in dem ich einfach Sammlungen aus irgendwelchen Vergangenheiten sehe und das Hauptthema heißt jetzt das Museum selber. Ich zeige das, was wir früher zusammengetragen haben, im Heute, hier und jetzt und beziehe mich auf Museum und Museumsarbeit, unabhängig davon, wer, wieso, weshalb, warum. Das ist eins der neuesten Stadtmuseen in Deutschland. Ob Sie das schön finden, überlasse ich Ihnen selbst. Also Sie gehen einfach durch beleuchtete Schränke und Sie sehen darin das, was die Geschichte angespült hat. Das ist auch nicht wertneutral, weil die Dinge sind ja nicht von ungefähr im Magazin. Mit den Fahrrädern werden wir uns vielleicht alle identifizieren können. Aber im Regal rechts hängen Darstellungen von Herz Jesu und Herz Marie, wenn Ihnen das nichts sagt, sind Sie schon durchgefallen. Wenn Ihnen das was sagt, können Sie sich zugehörig fühlen. Das Strickmuster ist ganz anders, weil es wie ein Baukasten ausschaut, aber das Prinzip ist das gleiche. So, da noch niemand von Ihnen aufgeschrien hat, schreie ich jetzt selber auf. Ist das nicht alles total schematisierend, was ich hier erzähle? Ja, ich habe das ziemlich vereinfacht. Die Museen sind nicht so schematisch. Sie zeigen nicht uniform alle Menschen aus den Vergangenheiten in uniformen Kleidern. Sie geben sich ja durchaus Mühe und möchten das ein bisschen differenzieren. Da darf auch eine Dame in bürgerlicher Kleidung unter den Bäuerinnen sitzen. Wir wissen auch, dass es Menschen gibt, die die bäuerliche Tracht nicht tragen durften, weil sie schlichtweg zu arbeiten hatten, aber die Museen können es zwar thematisieren, aber sie haben leider vergessen, es zu sammeln. Es gibt nur drei alte Fotos davon und das war's. Wie kommt man da raus?
Stichwort Nummer eins, können wir das mit Partizipation lösen? Das ist die Diskussion im deutschen Museumswesen. Müssen wir nicht partizipativer werden? Sie müssen dieses Beispielzettelchen, was ich rausgesucht habe, nicht gut finden. Ich habe es vielleicht auch deswegen rausgesucht, weil man es für sehr fragwürdig finden kann. Aber ist es nicht so, dass ich, dadurch, dass ich signalisiere, wen ich bitte, mir mitarbeiten zu helfen, damit auch schematisiere, wie ich meine, dass er oder sie sei, und Männer mit Hüten oder Männer mit Öse am Hinterkopf, ich versuche das mal zu persiflieren, sind das die Gruppen, die ich möchte, sind das die Menschen, die sich so abgebildet sehen wollen und wollen die in einem Stadtmuseum, was ja immer noch eine Stadtgeschichte erzählt, mitarbeiten, ist wohl ein Problem. Thema Nummer zwei, Objekte, die die Migration schildern sollen, ist das vielleicht eine Lösung? Aus Ausstellungsanalysen hat Nathalie Bayer gefiltert, Migrationsobjekte, wir kennen sie in Deutschland insbesondere aus den ostdeutschen Museen, die also über Vertreibung handeln. Es geht immer um Koffer, 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 um Ausweise, Lebensmittelbezugskarten und so weiter. Ne? Entweder so, Reise, Übergang von hier nach da, oder die Migrierten werden kulturalisiert. Gängiges Thema, Tee trinkende Menschen als Frau mit Kopftuch, ist auch so eine Ikone dann geworden, als wenn man Tee trinken müsse, wenn man ein Migrant sei, während Deutsche Kaffee oder Bier trinken. Zweite Beobachtung ist von Regina Wohnisch, also auch eine Österreicherin darf hier zu Wort kommen. Ein Migrationsobjekt muss sich unterscheiden, schreibt sie, und schreibt damit die Alterität fort. Also die Abgrenzung funktioniert gerade dadurch, dass ich einschließen möchte. Letztendlich ein Weg ohne Lösung, können wir so formulieren. Und die meisten Migrationsobjekte, nochmal Regina Wohnisch, sind eigentlich gar keine, weil sie schauen auf etwas, was sie nicht verstehen können, ohne dass sie die Person, die dahinter liegt, befragt hätten. Also ohne deren Mitteilung ist oft nicht klar, was an einem sogenannten Migrationsobjekt ein Migrationsobjekt sein soll. München war schon ein Stichwort gewesen. Das ist das, was im deutschen Museumswesen überall rundgereicht wird im Moment. Ein Musikinstrument rechts im Bild kommt in einer Ausstellungseinheit, die als Thema etwas ganz anderes hat, nämlich von einer neuen nationalsozialistischen Organisation begangene fremdenfeindliche Morde in Deutschland. Eines dieser zwei Mordopfer waren in München ermordet worden und eines dieser Mordopfer wird hier thematisiert. Das ist der Ausstellungszusammenhang. Gezeigt wird eine pontische Lyra. Ich musste auch nachgucken, was das ist. Ein spezielles Musikinstrument, was aus dem kleinasiatischen Teil der griechischen Kultur kommt. Das ist natürlich total toll für Migrationsgeschichte zu sagen. Herr Bulgaridis, der in München lebte, stammt aus einer Familie, die eigentlich aus Kleinasien stammt. Der Familienname selber klingt bulgarisch, wie Sie sehen. Also das ist Migration par excellence. Aber mit den NSU-Morden, also diesen fremdenfeindlichen nationalsozialistischen Mordattentaten, hat ein Streichinstrument nichts verloren. Und das kann man nicht verstehen, Sie können den Text daneben hängen, aber dann kann ich das Musikinstrument auch wieder weglassen, weil ich eigentlich am Exponat gar nichts verstehen kann. Und mein letzter Schritt, Lokalgeschichte. Sollten wir nicht einfach dieses Fokussierte auf den kleinen Klecks auf dem Globus verlassen und größere Zusammenhänge sehen? Geschichtswissenschaft, großes Thema, kommt jetzt also in den Museen als Diskussion. Wir lassen es hinter uns, immer nur den kleinen Fleck zu sehen, der dann ja sagen würde, wirtschaftliche Erfolge, wirtschaftliche Misserfolge dieses Ortes kommen aus diesem Ort und spiegeln sich in diesem Ort. Das Konkurrenzmodell, also ein Beispiel dazu, der Plantagenkomplex, Sie kennen das, denke ich, dass sozusagen ein zirkulärer Wirtschaftszusammenhang existiert. Nord- und Westeuropa exportieren Produkte nach Westafrika. Westafrika mit europäischer Unterstützung
exportiert zwangsweise Menschen aus Westafrika in die Karibik, die arbeiten da wiederum, werden dort ausgebeutet von den Europäern logischerweise und die Europäer konsumieren Beispiel Zucker oder Kaffeeprodukte aus der Karibik. Wenn man das weiterliest, könnte man dann sagen, die wirtschaftliche Leistungskraft einer deutschen Stadt basiert auf dem systemischen Profit im Plantagenkomplex rückwärts. Schlaue Idee, hat nur folgendes Problem, da meldet sich plötzlich eine neue Ethnizität zu Wort, die auf dem Schwarz-Weiß-Kontrast sich meldet. Und wir haben da einen interessanten Beispielfall in einer deutschen Stadt, wo eben eine, ich nehme die Begriffe jetzt so, eine schwarze Kuratorin der weißen Bevölkerung vorwirft, aus, also in einer wirtschaftlich profitablen Situation des 16. Jahrhunderts zu leben, die ihre Vorfahren ausgebeutet hätte. Aber wir alle sind ja Menschen des 21. Jahrhunderts, die mit den Menschen von damals so nicht verwandt sein müssen. Und dieser Schwarz-Weiß-Kontrast kehrt gewissermaßen das Othering um. Ich werde jetzt plötzlich, ich, der Flensburger in dem Beispiel, werde zum anderen und die anderen werden zu den eigenen, wenn sie so wollen. Soll kurz heißen, ich sehe die Lokal-Regionalmuseen in einer Sackgasse. Wohin denn bloß? Keine Ahnung. Merci beaucoup. Vielen Dank, Herrn Walz, auch für das Einhalten des Timings. Bravo, bravo. Je passe tout de suite la parole à Colline Rondeau, qui est doctorante en deuxième année d'histoire à l'Université d'Angers, qui écrit sa thèse en co-tutelle avec l'Université de Liège, une thèse sur les réfugiés kurdes de Turquie en Loire-Atlantique depuis les années 1970. Donc voilà, c'est un terrain qui va nous intéresser tout particulièrement, qui a déjà communiqué à divers colloques et qui a déjà même publié sur les Kurdes de Turquie dans l'ouest de la France. Colline, je vous laisse tout de suite la parole pour votre communication sur l'invisibilité et la mémoire des Kurdes de Turquie dans l'ouest de la France depuis les années 1970. Je vous remercie. C'est bon, le... Ok. Donc, merci. Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Je vais vous parler de l'invisibilité et mémoire des Kurdes de Turquie dans l'ouest de la France depuis les années 70. Donc, il faut savoir qu'en France, les premières générations de Kurdes arrivent au cours de la décennie 70 suite à un accord de main-d'œuvre signé le 8 avril 65 avec la Turquie. Donc, une population en majorité masculine rejoint alors la France afin de travailler dans différents secteurs de production tels que la métallurgie, le bâtiment, etc. Donc, ces migrants économiques turcs d'origine kurde s'insèrent dans la migration de travail grâce à l'obtention de contrats. Par la suite, leurs familles les rejoignirent par le biais des regroupements familiaux. Et le 12 septembre 80, suite au coup d'état de Kenan Evren, des demandeurs d'asile kurdes s'exilent en France. Car Evren considérait, je cite, le nationalisme kurde comme une pathologie devant être soignée. Conséquemment, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, des villages kurdes furent détruits dans les régions de Silt, Akari, Van et Chilnak. Par la suite, le PKK, donc le Parti des travailleurs du Kurdistan, déclara en août 1984 la lutte armée contre le gouvernement turc. Les destructions des villages continuèrent, même pendant les années 90, sous un autre gouvernement, celui de Demirel, dans les régions de Bitlis, Diyarbakir, Mardin, Tunçeli, je passe. Les champs étaient minés, les récoltes détruites, afin d'anéantir l'économie et par conséquence le mouvement kurde. Cette méthode a empêché la région du sud-est de se développer et ainsi obligé les habitants à migrer dans les villes de l'ouest telles que Izmir, Istanbul, Ankara. Plus que jamais, les Kurdes ont dû faire le choix entre l'assimilation à la turcité, la lutte ou le départ. Donc, rendre visibles les Kurdes de Turquie en France est une tâche assez difficile pour l'historien, car les demandes de l'administration varient selon les contextes. Et les schémas d'identification de certains Kurdes, évidemment, diffèrent des autres, donnant lieu à une invisibilité. Dès lors, comment faire une histoire des migrations kurdes, sachant que nombre d'entre eux ont été invisibilisés? Comment ont-ils été identifiés par l'État français? Quels ont été les mots utilisés par les Kurdes pour se définir?
Et est-il possible d'utiliser le terme de mémoire kurde pluriel singulier au regard de cette invisibilité? Donc, pour cette communication, je vais traiter des statuts assignés aux Kurdes, des identités revendiquées par ces derniers et de la dialectique entre histoire et mémoire. Je m'appuie pour ce faire sur des documents administratifs déposés par les préfectures et les renseignements généraux aux régions de Bretagne et des Pays de la Loire, des documents qui datent de 1960 à 2012, obtenus sous dérogation, évidemment. Et ces documents m'ont permis, à l'heure actuelle, de créer une base de données composée de 1955 Turcs et 198 Kurdes. J'ai pas fini. Hein. Voilà. Et évidemment, des témoignages des déplacements dans l'Ouest. Donc, les premières générations de Kurdes entrées dans le cadre de la migration de travail n'ont eu à répondre qu'à de simples et rapides questions concernant leur nationalité, le nom de leurs parents, quelquefois le nom de leurs femmes et de leurs enfants, mais surtout le nom et l'adresse de leur entreprise et leur adresse en France. Puisque leur installation en France était considérée de courte durée et qu'ils allaient repartir, personne ne s'intéressait à leur passé, comme l'explique Abdelmalek Sayad. Ainsi, ne prenant en compte que la nationalité des individus, les catégorisations furent très rapides. Donc ces premières générations de Kurdes ont effacé leur origine. Ils se sont rendus invisibles afin de valoriser leur nationalité. Mais cette invisibilité, elle a été choisie par les Kurdes afin de pouvoir quitter la Turquie, mais elle est aussi subie, car affirmer leur nationalité était la seule manière légale pour eux de migrer. Dès lors, tous les Kurdes arrivés dans le cadre des accords de main-d'œuvre ont été catégorisés en tant que Turcs, ainsi que leurs familles venues les rejoindre. Au contraire des premières générations, les demandeurs d'asile ont dû compléter des documents composés de plusieurs rubriques s'intéressant à un avant et un après. On leur demande leur nationalité actuelle, mais aussi leur nationalité d'origine. On leur demande les activités professionnelles envisagées en France, les motifs de leur venue, etc. Et dans le cadre de la procédure de demande d'asile, ces Kurdes ont adressé des lettres à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, ainsi qu'à la Commission des recours et des réfugiés, la CER, qui est l'actuelle Cour nationale du droit d'asile, CNDA. Plusieurs ont obtenu la qualité de réfugiés. Le seul souci, c'est que l'OFPRA leur donna le statut sous différents qualificatifs. Certains Kurdes, ont reçu le titre de réfugiés de nationalité turque d'origine kurde, d'autres réfugiés de nationalité turque et d'autres réfugiés d'origine kurde. Pourquoi une telle différenciation? Quelle logique sous-jacente à ces dénominations? Pourquoi un Kurde menacé en Turquie à cause de son origine obtient-il la qualité de réfugié de nationalité turque? Je ne sais pas. Donc ces disparités interrogent sur la reconnaissance du fait d'être kurde en France et aussi d'être réfugié kurde en France. Car catégoriser consiste à identifier et à classer l'autre. Il ne s'agit pas d'un acte dénué de neutralité. Donc ces classements pour les premières générations, mais aussi pour les demandeurs d'asile, entraîne une réelle invisibilité kurde dans les sources. Or, nombre de chercheurs attestent qu'environ le tiers de la population émigrée turque en France serait d'origine kurde. C'est pourquoi, pour cette thèse, j'ai la méthode, est de reconstituer toutes les généalogies des Kurdes et de les conjuguer à leur réseau d'hébergeurs, de connaissances, de collègues de travail, de voisins, etc., etc., afin de les rendre visibles. Mais la question qui se pose, c'est quand et comment apprend-on qu'un Turc est un Kurde, qui l'écrit et comment, et de quelle manière expriment-ils leur identité? Donc l'invité choisi ou subi par les Kurdes a été pour plusieurs d'entre eux maintenu tout au long de leur parcours administratif, et ce jusqu'à la naturalisation. Ces identités tantôt assignées, tantôt revendiquées, sont à questionner au regard des schémas d'identification propres à chaque Kurde. Car la kurdicité n'est ni vécue ni perçue de la même façon selon les Kurdes. Et là, je cite l'anthropologue Martin Van Brunsen qui explique que parmi les Kurdes, il existe un noyau dont l'identité est sans ambiguïté kurde et tout autour, une masse fluide de degrés divers de kurdicité,
des individus qui sont quelque chose d'autre en même temps que kurdes et qui, selon les circonstances, peuvent accentuer ou minimiser leur identité kurde. Donc ces hommes et ces femmes arrivés sur le sol français ont la possibilité de mentionner leur appartenance au peuple kurde lors de leur demande d'asile ou de naturalisation. Pour les demandes d'asile, l'identification se traduit de manière plus ou moins différente. Certains affirment clairement leur kurdicité, telle que « je suis kurde », « je suis kurde de Turquie », « je suis un kurde qui appartient au parti communiste turc ». Mais cette clarté, malheureusement, n'est pas toujours affichée, car l'État turc a mené et mène toujours actuellement une politique de turcisation, l'objectif étant d'instaurer une langue commune et d'homogénéiser le pays en prouvant la continuité ethnique et historique en Anatolie. Aussi, l'affiliation ethnique est souvent rattachée aux luttes politiques en Turquie, car de nombreux demandeurs d'asile qui ont lutté en Turquie estiment avoir été chassés de leur village, non pas parce qu'ils étaient kurdes, mais parce qu'ils étaient militants. Dès lors, certains expliquent « j'ai participé à la résistance nationale de mon peuple ». Étant partisan de la gauche, SFP, j'ai eu des menaces de mort des partisans de la droite qui sont anti-kurdes. Néanmoins, quand l'OFPRA leur refuse le statut de réfugié, certains changent de discours et là, ils expliquent qu'avant d'être militants, ils sont surtout kurdes. Et là, on voit bien que le contexte d'identification influe, a vraiment une réelle incidence sur l'affirmation de l'identité. Donc, à ces luttes politiques, s'associe également un référent spatial. Certains écrivent « Nous étions le seul village kurde. Je suis né à Telkan, au Kurdistan. » La plupart des Kurdes écrivent que leur village est au Kurdistan et non en Turquie. Et là, vraiment, c'est la reconnaissance d'un territoire qui, vous le savez, n'est pas reconnu. Enfin, certains Kurdes affirment leur kurdicité au prisme de ce qu'ils ont pu vivre en Turquie et par l'usage du « nous ». Le but, c'est l'assimilation des Kurdes. Dans les écoles, ils nous imposaient la politique turque, etc. Donc les mots utilisés diffèrent selon les hommes et les femmes. Les contextes d'écriture ne doivent pas être oubliés, car écrire pour obtenir le statut des réfugiés est totalement différent que pour écrire, par exemple, pour obtenir une naturalisation. Donc nombre de Kurdes, tout contexte migratoire confondu, ont entrepris des démarches afin d'acquérir la nationalité française. Certains ont rédigé des lettres aux préfectures de leur département de résidence afin d'expliquer les raisons d'une telle demande. La plupart de ces lettres n'ont pas été conservées et celles qui le sont, je vous l'assure, sont de véritables trésors. C'est pourquoi j'ai donc souhaité vous présenter le cas d'Azadi D. Donc évidemment, prénom et nom ont été modifiés. Cet homme est originaire de Polomour, dans la province de Tounsili. Et il est arrivé en 1983 en Maine-et-Loire, précisément à Cholet, à l'âge de 19 ans. Il obtint le statut de réfugié de nationalité turque en 1984 et il a par la suite occupé plusieurs emplois saisonniers et a décidé d'ouvrir un restaurant de spécialité turque afin d'avoir une vie stable. Donc j'ai suivi ses parcours administratifs, professionnels, familiaux pendant 11 ans, pensant qu'il était turc, jusqu'à cette lettre datée de 1994, qu'il écrivit afin d'obtenir la nationalité française. Je le cite. « Je suis d'origine kurde de Turquie. Mon patronyme est, mais en raison des choix politiques faits par la Turquie et de la déportation de ma famille dans les années 30, dans le sud-ouest de ce pays, le nom leur a été posé pour les turquiser. Je souhaite reprendre le nom de mes origines. Je ne tiens plus à avoir de relation avec la Turquie et ne compte pas y retourner. J'ai refait ma vie ici, je me plais et je vis comme un Français. » Je ne vois pas l'utilité de rester turc, n'ayant jamais accepté d'être un turc en raison de mon origine kurde. C'est pourquoi je veux acquérir la nationalité française afin de pouvoir m'épanouir totalement dans mon nouveau lieu de vie auprès de mon ami, de nos enfants et de mes amis. Donc cette lettre, associée aux différents documents dans son dossier, m'ont permis de construire un organigramme autour de sa famille et des réseaux rencontrés autour de lui, avec évidemment un regroupement de dossiers. Bon, j'ai pas le temps de vous en parler, mais j'avais envie de vous le montrer. Donc, même si ces lettres sont parfois absentes des dossiers de naturalisation, il existe par contre une source toujours présente permettant d'apprendre qu'un migrant catégorisé en tant que turc est un kurde lorsque ce dernier explique pratiquer le kurde. Il s'agit du procès verbal d'assimilation dans lequel la kurdicité se révèle au chercheur, mais une kurdicité de courte durée, dans le sens où l'individu entreprend une démarche
pour obtenir la nationalité française. Et c'est le seul, la langue là est vraiment le seul aspect questionné de la culture et permet de retrouver les Kurdes. Et cette question est vraiment propre aux procès-verbaux d'assimilation. Elle permet aux Kurdes de s'auto-déclarer, même si c'est très infime, parce qu'on leur demande la langue parlée avec leurs parents, avec leurs conjoints et avec leurs enfants. Mais elle est posée au moment où l'individu doit prouver par tous les moyens qu'il est assimilé aux us et coutumes de la France. Néanmoins, malgré ces sources, certains Kurdes demeurent encore et toujours invisibles dans les documents administratifs. C'est pourquoi les mobilisations sont d'autres sources que l'historien doit utiliser. Leur analyse est nécessaire puisque j'estime que ces mobilisations agissent comme des repères collectifs et elles forment un terreau, un fondement à la kurdicité. Dès lors, l'historien du contemporain, et là je lance un appel, ne doit pas se tourner uniquement vers le passé, mais vers les différentes instances temporelles, car ces mobilisations conjuguent histoire passée, mais également histoire du temps présent. Et l'une des actions collectives les plus connues pour les Kurdes est celle d'une névrose, qui réunit tous les Kurdes. Et le névrose se réfère à les révoltes du forgeron Kawa contre le tyran Deak. Et il signifierait le soulèvement des Kurdes dirigé par Kawa contre le tyran, le roi assyrien Deak, et la destruction de l'empire assyrien en 612 avant Jésus-Christ par les Mèdes, considérés comme les ancêtres des Kurdes. Donc le Névrouz est célébré chaque année le 20 et 21 mars, premier jour du printemps. Des annonces sont diffusées tout au long des mois de mars et avril afin de permettre aux Kurdes de savoir où et quand ont lieu ces rassemblements, que ce soit à Nantes, Paris, Tokyo, Milan, Oslo. Et s'ils en ont la possibilité, les Kurdes, enfin s'ils en ont la possibilité, plutôt les autorisations, les Kurdes organisent un défilé, drapeaux, luminaires, etc., où ils scandent de nombreux slogans, notamment pour demander la libération d'Abdullah Öcalan, donc le leader du PKK qui a été capturé le 15 février 1999 au Kenya. Et ils interpellent aussi le public afin de faire écho aux persécutions subies actuellement par les Kurdes au moment du névrose. Et donc le cortège se termine le plus souvent dans une place où un feu est allumé, d'où l'importance des autorisations, pour commémorer Kawa, ainsi que de nombreux Kurdes, comme vous pouvez le voir sur l'affiche pour Hanov, où c'est Mazlum Dogan. Donc Mazlum Dogan s'est immolé le 21 mars 82 dans la prison de Diyarbakir, et il est commémoré notamment par les sympathisants du PKK. Donc autour de ce feu, les Kurdes chantent, dansent, et le névrose est vraiment, on va dire, il fournit une histoire, vraiment un univers symbolique. Il est un élément majeur de la kurdicité. Et nombre de Kurdes me disent, non mais c'est la plus vieille fête, c'est la nôtre, c'est la nôtre. Donc le névrose s'inscrit dans la mémoire du présent. Il est toujours filmé et retransmis. Il rend visible une identité collective, mais là, les Kurdes au sens large, hein, dans un temps présent. D'autres manifestations existent pour Öcalan, mais là, c'est plutôt pour les sympathisants du PKK. Néanmoins, ces manifestations invoquent des éléments passés, une mémoire que l'historien se doit de faire apparaître dans le présent. Donc en parallèle, des centres culturels ont été ouverts dans l'Ouest par les Kurdes afin qu'ils puissent faire partager leur culture. Et ces centres culturels sont soutenus notamment par les Amitiés Kurdes de Bretagne qui ont produit en 1998 un livre intitulé Karapinar, donc qui se situe à Varto dans la province de Mouch. Et en fait, ce livre est un recueil de témoignages concernant des familles qui ont fui Karapinar et se sont installées à Rennes. Donc là, les AKB, Amitié Kurde de Bretagne, sont, selon la terminologie des sociologues, des entrepreneurs de mémoire. Ils ont recueilli les paroles de ces hommes et ces femmes. Ça a été possible parce que ces personnes venaient de Karapinar et se sont installées à Rennes. Et suite à un entretien avec les membres des AKB, certains ont dit, ils ont expliqué que quand les Kurdes de Karapinar venaient en Ille-et-Vilaine pour demander l'asile, les agents administratifs répondaient positivement en expliquant « On connaît votre histoire, on vous croit ». C'est bon. Et donc là, il y a eu une mise en visibilité des Kurdes de Karapinar à Rennes. Donc c'est vraiment une autre source. Mais, et ça m'a permis de trouver des Kurdes dans les archives grâce à cette source. Voilà. Donc pour conclure, l'histoire des migrations kurdes est complexe à étudier à cause de la contemporanéité, d'un difficile accès aux sources et de l'invisibilité de ces derniers. Des estimations sur le nombre sont assez compliquées. Un comptage réel impossible, et les parcours révélés aux chercheurs dépendent des questions de l'administration,
mais évidemment de ce que les Kurdes ont bien voulu écrire et bien voulu répondre. L'historien, l'historienne et le lecteur d'archives sur lequel, vous le savez, n'a aucune emprise. L'utilisation des sources écrites et orales est nécessaire pour construire l'histoire des migrations des Kurdes de Turquie, de saisir leur parcours migratoire et leur rapport à la kurdicité. Et cette complémentarité des sources entraîne d'autres types de questionnements, notamment les mobilisations des Kurdes qui s'inscrivent dans le champ de l'action, mais aussi celui de la mémoire et qui doivent être analysées en tant qu'expérience du temps historique. Pour autant, il est chimérique de prétendre à une mémoire kurde commune au regard des distensions politiques, religieuses, géographiques, linguistiques inhérentes au peuple kurde. Il existe des histoires et des mémoires kurdes que l'historien, l'historienne, se doit d'historiciser et de remettre dans le temps historique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Colline Rondeau, pour cette présentation très intéressante. Je cède d'emblée la parole à Adrien Bénez. Vous remarquez que nous avons une petite modification dans notre programme. Je ne crois pas que notre collègue Francesco Pongilupi soit arrivé. Son avion a eu un problème hier, il a été bloqué à Bruxelles et donc ne peut nous rejoindre que en fin de matinée. Donc nous le retrouverons cet après-midi pour son intervention. Et je cède donc la parole à Adrien Bénez, qui serait sinon intervenu cet après-midi. Adrien Bénez est doctorant en sociologie au laboratoire Clercé à l'université de Lille 1. Il écrit sa thèse sur les déterminants, les expériences et les incidences biographiques de la socialisation résidentielle juvénile. Et Adrien Bénez va nous parler justement des entre-deux, des expériences et représentations des jeunes pavillonnaires racisés. Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, ma communication va être l'occasion de s'interroger sur les positions qu'occupent les jeunes descendants d'immigrés non européens qui résident dans des quartiers pavillonnaires situés à proximité de cités HLM. Donc, je suis doctorant en sociologie en troisième année et ma thèse porte donc sur les déterminants, les expériences, les incidences biographiques de la socialisation résidentielle juvénile dans un contexte de proximité spatiale entre des cités HLM et des quartiers pavillonnaires. Donc mon travail s'appuie sur une monographie que j'ai effectuée au sein de Potreville et de Bonfort-Saint-Georges, donc les noms ont été anonymisés, deux communes qui sont limitrophes et qui sont situées à une trentaine de kilomètres de Paris, dans un département de la Grande Couronne francilienne. Donc ces deux communes comptent comptent 6000 habitants chacune, pardon, et se distinguent par de nombreux points. Donc la couleur politique de la municipalité, le taux de logements sociaux, le niveau de revenus ou encore le taux d'immigrés et d'étrangers dans la ville. Donc malgré ces grandes disparités, qui sont encore plus grandes entre les quartiers, donc là on voit les photos de gauche Bonfort-Saint-Georges et à droite Potreville, ces deux communes ont une histoire partagée et des liens hérités de cette histoire, parmi lesquels des équipements intercommunaux, dont un collège public qui est l'établissement de secteur pour les jeunes des deux communes. Donc mon travail est actuellement en cours de rédaction, il repose sur la collecte de différents matériaux, des entretiens, des observations et de l'exploitation d'archives et de statistiques. Donc cette enquête de terrain permet notamment d'interroger les pratiques et les représentations de jeunes, qu'ils soient adolescents ou jeunes adultes, dont les parents ou les grands-parents ont émigré en France. Donc si la plupart d'entre eux habitent dans les deux cités HLM de Potreville, certains ont grandi au sein des quartiers pavillonnaires des deux villes. Donc cette communication, elle est pour moi l'occasion de tenter d'analyser leur construction identitaire et leur positionnement au sein d'un espace local qui se caractérise par une forte ségrégation sociale et ethno-raciale entre les quartiers. Je vais donc vous présenter les principaux résultats. Donc, tout d'abord, on note que les jeunes pavillonnaires issus de l'immigration extra-européenne sont vus et se voient comme minoritaires, des rebeux et des renois, donc le verlan d'arabe et de noir, parmi une majorité de blancs. Ils partagent le sentiment d'appartenance à un groupe ethnique, ce qui désigne pour Max Weber ces groupes humains qui nourrissent une croyance subjective à une communauté d'origine fondée sur des similitudes de l'habitus extérieur ou des mœurs, ou des deux, ou sur les souvenirs de la colonisation ou de la migration. Donc un ensemble d'indices parmi lesquels leur patronyme et ou leur couleur de peau,
contribue aussi à ce qu'il se voit assigner une origine ethno-raciale et éventuellement une croyance religieuse supposée. Ainsi, de par ce double processus de croyance subjective et d'assignation à une commune origine, ces jeunes pavillonnaires se distinguent des jeunes pavillonnaires blancs qui sont majoritaires. Donc, dans cette communication, je parle de jeunes pavillonnaires racisés, en reprenant la définition de Magali Besson, qui définit la racisation comme un processus d'imputation raciale qui consiste à absolutiser la différence culturelle et d'origine en l'inscrivant dans la nature. C'est donc un rapport social qui lie racisant et racisé dans des rapports de pouvoir. Donc ici, les racisés désignent des descendants d'immigrés non européens, les descendants d'immigrés européens étant considérés le plus souvent comme des blancs. Donc cette communication vise à répondre à deux questions principales. De quelle manière ces jeunes pavillonnaires sont racisés et comment négocient-ils leur statut dans l'espace local? Alors, je vais d'abord prendre l'exemple de Fares, qui est un collégien et qui explique que lorsqu'il était à l'école primaire, à Bonfort, donc dans la commune aisée, il avait le sentiment d'être ostracisé par ses camarades en raison de son origine maghrébine. Donc, je le cite, « Nous, peut-être, sur 200, on était peut-être 10 étrangers. Quand je dis étrangers, ça veut dire noir, arabe. Souvent, je me battais avec mon cousin contre tout le monde et tout, je sais pas pourquoi. Après, je me disais, ah ouais, ils doivent se dire, c'est un sale arabe et tout. Même des fois, j'étais gentil avec tout le monde. Hein. On me disait, ouais, de toute façon, toi, t'es qu'une racaille et tout. C'était moi le méchant, quoi. » Alors, Fares raconte qu'à son arrivée au collège, il a trouvé que ses camarades de Potreville avaient une meilleure mentalité et étaient plus matures. On peut poser l'hypothèse que ce ressenti est lié à la plus grande mixité sociale et ethno-raciale au sein du collège public de Potreville. Étienne, qui est un autre habitant de Bonfort, est quant à lui âgé de 23 ans. Il est le fils de parents de nationalité indienne. Il raconte qu'à son arrivée dans le collège public, il entretenait une relation particulière avec les jeunes des cités HLM de Potreville. Faisant l'objet d'une certaine curiosité en raison de sa couleur de peau, il était également attiré par la culture des rues, pour reprendre l'expression de David Lepoutre, qui était véhiculée par ces jeunes. Bah alors, si tu veux, en fait, c'est particulier, moi, parce que je suis aussi issu de l'immigration. Ce qui fait que, bon, déjà, je suis minoritaire à Bonfort, tu vois. Bonfort, c'est majoritairement des Blancs. Donc, justement, moi, c'est particulier. Mais encore une fois, ça ne reflète pas ce que peut être la réalité. Mais justement, quand tu es jeune et que, voilà, il y a un moment, il y a deux modèles. Et tu te dis, ah ouais, peut-être ces gens sont aussi comme moi. On est là de la même couleur et compagnie. Donc, il y a des questions qui se posent. Maintenant, moi profondément, moi je me considère, si tu veux, enfin c'est ridicule de dire ça, mais moi je suis un blanc de Bonfort, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Alors si Étienne dit en blaguant qu'il se considère être un blanc de Bonfort, il reste qu'il se distingue des autres Bonfortois qui, selon lui, n'avaient au collège, pour la plupart d'entre eux, aucune relation avec les jeunes des cités qu'il craignait. Donc s'il pense que sa couleur de peau a pu instaurer une sorte de proximité amicale avec ces jeunes, Étienne décrit avec le recul des relations qu'il juge anecdotiques, pas naturelles. Il l'explique par le fait que, selon lui, les jeunes des pavillons et les jeunes des cités n'ont pas la même culture, le même langage et les mêmes sujets de discussion. Il n'empêche que, du fait de leur origine, les jeunes pavillonnaires racisés peuvent faire l'objet, comme les jeunes des cités HLM, de discrimination dans la ville. Nadia, qui a grandi dans une cité de Potreville et qui réside désormais dans un pavillon de Bonfort, raconte par exemple que dans sa nouvelle ville, elle a l'impression d'être dévisagée par certains habitants. Moi, là où j'aime pas aller vraiment, c'est certains quartiers de Bonfort, j'avoue. Les gens, ils te regardent mal. Là-bas, j'aime pas comment ils me regardent. En mode, tu fais quoi ici? Mais après, c'est pas un endroit où je suis gêné d'aller non plus. Alors si Nadia dit dépasser la stigmatisation dont elle se sent victime, d'autres jeunes la jugent plus pesante. Leïla, qui habite dans un pavillon à Potreville, dit par exemple qu'elle ne pourrait pas s'intégrer à Bonfort, car elle a l'impression que la population ne les aime pas. Étienne ne perçoit pour sa part pas de racisme, mais de l'appréhension, je reprends ces termes. Il trouve naturel d'être dévisagé, par exemple lorsqu'il sort en survêtement de son domicile, la situation pouvant laisser croire selon lui qu'il vient de commettre un cambriolage. Alors si tout le monde ne partage pas cette légitimation du racisme, il reste que les propos de certains jeunes pavillonnaires blancs montrent à quel point le racisme peut être totalement décomplexé. En témoigne l'extrait d'entretien suivant, où Chloé, qui est une Bonfortoise, évoque l'évolution de Bonfort ces dernières années.
Ça change un petit peu. Entre nous, on rigole parce qu'il y a une famille de Noirs qui s'est installée il y a 4 ou 5 ans. Et entre nous, on en rigolait parce que bon, bah, c'est bon, on peut faire des blagues racistes entre nous. La famille, c'est pas non plus... Ma grand-mère est née au Maroc, hein, donc on n'a pas trop de soucis là-dessus. Il paraît qu'on est un peu juif aussi maintenant. Mais on en rigolait entre nous. Ah bah dis bon fort, c'est plus que c'était, etc. Mais voilà. Et c'est malheureux, mais c'est vrai que ça a choqué des gens, quoi. Et en mal. Moi, ça m'a juste choqué parce que, oh putain, tu t'es perdu. Tu veux que je t'indique le chemin? Tu cherches quoi? Donc lors de l'entretien, Chloé tient à se distinguer à plusieurs reprises des Bonfortois qu'elle juge racistes. Comme d'autres Bonfortois interviewés, elle mentionne toutefois l'arrivée de familles d'origine étrangère dans la ville. Et en fait, le simple fait d'en être étonné et de plaisanter sur le sujet montre à quel point la ségrégation ethno-raciale est fortement intériorisée et induit une sorte d'ordre ethno-racial dans l'espace local. Finalement, tout se passe comme si les jeunes identifiés comme noirs et arabes ne pouvaient qu'habiter dans les cités HLM. Par exemple, en discutant avec un professeur du collège, ce dernier me confie qu'il apprend que Fares, que j'ai cité tout à l'heure, qui est collégien depuis 4 ans à ce moment-là, habite Bonfort et non Potreville dans une cité HLM. Donc là, on voit bien le poids des transmissions, des représentations sociales et combien il est difficile d'échapper aux effets de la mémoire collective dans les quartiers en question. En outre, les jeunes pavillonnaires racisés expriment qu'au sein des cités HLM, ils ne sont pas toujours pleinement acceptés. À l'adolescence, Yacine a quitté la cité de la Clairière avec sa famille pour emménager dans un pavillon de Potreville. Il raconte qu'à ce moment-là, il n'était plus considéré comme faisant partie des jeunes du quartier. Ouais, c'est sûr, quand j'ai déménagé, ben, j'étais plus un mec de la Clairière. Mais bon, à la limite, je m'en foutais complètement. Au contraire, ça m'a jamais atteint. On me disait, t'es plus un mec de la Clairière. Mais au contraire, ça m'arrangeait de ne plus être un mec de la Clairière quand je voyais la Clairière. Une fois que je l'ai quitté, j'ai regardé, je me suis dit, ouais, putain, on est vachement mieux à la mairie de Potreville, dans un petit pavillon avec une vue sur l'étang. On a un petit champ devant et la PMI, elle est belle la vie. Hein. Si Yacine, satisfaite de son nouveau lieu d'habitation, dit ne pas avoir été particulièrement touchée par ses réflexions, ces réflexions peuvent parfois être assez virulentes. Bouna, qui a grandi et réside toujours dans la cité de la Clairière, dit par exemple qu'il est énervé contre certaines familles qui ont quitté le quartier. Il les juge ingrats, non reconnaissants, et les accuse finalement de travestir ce qu'ils sont réellement à ses yeux, des Renois, en devenant francisés. Ceux-là, ils sont plus avec les Français. Hein. Ah ouais, en fait, ils sont Renois, mais à force d'habiter là-bas, ils sont... Eux, tu les croises maintenant, tu les reconnais plus, tu vois. Ils sont francisés, bien sûr. Ils sont, voilà. Ils fréquentent plus la Clairière. Ils passent même plus là-bas, tu vois. Du coup, ils traînent avec des bourges, avec des gens qui prennent la cesse. Ils en ont rien à foutre du quartier, bien sûr. Donc on voit ici que l'identification au quartier et à ses représentations sociales sont particulièrement fortes et résultent des modes de socialisation familiale conjugués à ceux des quartiers, qui ont une histoire, une mémoire collective transmise de génération en génération. De la même manière, Mounir, qui est un autre habitant de la cité de la Clairière, confie que plus jeune, il n'appréciait pas les rebeux qui venaient pas de cité. Il donne l'exemple de son ami Karim, habitant d'un pavillon à Potreville, situé à la limite de Bonfort. À la Clairière, on avait ce truc où j'avais une haine, moi. C'est bizarre, hein. Karim, à un moment, je m'entendais pas du tout avec lui. Il le sait pas, mais je pense qu'il l'a vu, tu vois. Même lui, si ça se trouve, il m'aimait pas, tu vois. Mais j'aimais pas son comportement, de vouloir faire le mec de cité, alors que moi, j'avais pas du tout un comportement de mec de cité. Mais lui, pire qu'un mec de cité, sans y habiter. Donc Karim, il est âgé de 22 ans, et il est avant-dernier d'une fratrie composée de 7 garçons et d'une fille. Il est le fils d'un père chauffeur poids lourd et d'une mère femme de ménage, qui sont tous deux de nationalité algérienne. Il se décrit lui-même comme une frontière entre les deux communes. Il a des amis et des sociabilités dans les deux villes et dans les différents quartiers, et il dit avoir besoin des deux. Si à Potreville, et en particulier dans la cité de la Clairière, il se dit connu et respecté, il reconnaît ne pas être pleinement intégré aux logiques relationnelles inhérentes au quartier. Il explique notamment qu'il peut moins faire confiance aux jeunes du quartier, car il n'est pas considéré comme étant réellement l'un des leurs, et ne bénéficie donc pas de la solidarité communautaire du quartier.
Du fait de son lieu d'habitation et de ses sociabilités à Bonfort, Karim fait l'objet de nombreuses taquineries de la part des jeunes de la cité de la Clairière. En plaisantant, ces derniers lui disent notamment qu'il est un mec de Bonfort. Il n'empêche que pour Karim, lui et ses frères arabisent ses amis bonfortois, pour reprendre son expression. En effet, à leur contact, les jeunes blancs des pavillons se familiarisent, selon lui, avec des codes culturels et sociaux qu'ils finissent par adopter, ou en tout cas à comprendre. Ainsi, alors que, comme on l'a vu, ces familles seraient, pour certains, francisées, l'un des membres de l'une d'elles considère qu'il tend à arabiser les Français, donc je reprends les termes, hein, qui sont amis avec lui, ces réflexions désignant finalement une sorte de processus d'acculturation mutuelle. Donc Karim occupe une place d'entre-deux au sein de l'espace local. Il fréquente régulièrement les habitants des deux communes, étant parfois à jouer un rôle d'intermédiaire entre ses différents cercles d'amis. Le fait qu'il habite en pavillon entraîne une sorte de tension identitaire chez lui. Il se reconnaît à la fois dans la culture des rues, apprécie certains loisirs prisés par certains jeunes de la Clairière, notamment la moto, tout en percevant qu'il n'est pas véritablement intégré, comme je l'ai dit, au réseau de sociabilité du quartier. S'il évoque souvent la jalousie de certains jeunes du quartier, il semble qu'il ait parfois tendance à la stimuler, à l'alimenter, par exemple en faisant exprès de parader dans des véhicules motorisés coûteux devant certains jeunes de la cité de la Clairière. Pour Étienne, si Karim a effectivement des amis et des pratiques de sociabilité dans les deux villes, il n'est culturellement pas un mec de Bonfort, mais un mec qui a une culture de quartier populaire. Julie, qui habite également un pavillon de Potreville, dit de Karim qu'il est bipolaire, du fait de son changement de comportement en fonction des groupes avec qui il se trouve. Selon elle, Karim peut aussi bien faire le kéké avec un groupe, les jeunes de cité, qu'être tranquille avec un autre, les jeunes de pavillon. Antoine, qui est habitant aussi d'un pavillon de Bonfort, dit pour sa part de la famille de Karim qu'elle est vraiment entre les deux villes, qu'on peut les voir autant à Bonfort dans un pavillon avec piscine qu'à la cité de la Clairière. Il décrit la famille comme étant emblématique et connue de tous, avec des représentants dans chaque génération qui ont fait le pont entre les deux villes. Comme Karim, Yasmine, qui a grandi dans un pavillon de Potreville, dit qu'elle était la seule de la zone pavillonnaire qui était tout le temps à la Clairière et qu'elle savait tout ce qui s'y passait. Fille d'immigrés marocains, elle exprime de la même manière cette tension identitaire en disant que c'était pesant d'être toujours entre les deux villes donc, et entre les habitants de ces deux villes. Donc les jeunes pavillonnaires racisés sont ainsi souvent mieux intégrés dans les différents groupes de sociabilité des différents quartiers par rapport aux autres jeunes. De leurs expériences, ils ont su développer une capacité d'adaptation et d'acceptation qui leur est propre et qui dépasse l'espace local. Olivier, qui habite dans l'autre quartier HLM de Potreville, en parle avec l'exemple de Yacine. Par exemple, Yacine, il connaissait tous les groupes, y compris quand j'étais au lycée. Il connaissait tous les types de groupes. Il les connaissait, il les avait dans l'œil, il savait. Il excluait personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources. C'est vraiment le débrouillard. Donc, dans un contexte de forte ségrégation urbaine, d'un point de vue socio-économique et ethno-racial, ces jeunes font donc figure d'exception. En raison de l'expérience de la racisation, du passé migratoire de leurs ascendants familiaux, de la transmission de ce passé et de disposition par ces derniers, par la transmission de la langue, de références culturelles, par des certaines formes d'attachement et de représentation au pays d'origine et à la France, on pourra peut-être en reparler après, les jeunes pavillonnaires racisés négocient ainsi des places d'entre-deux dans l'espace local. Entre les jeunes des cités, avec lesquels ils partagent l'expérience de la racisation, et les blancs des pavillons avec lesquels ils ont des conditions de vie et des expériences résidentielles similaires. Donc, l'analyse des entretiens invite pourtant à ne pas considérer que leur habitus clivé, pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu, peut seulement s'expliquer par la combinaison entre la résidence dans un pavillon et l'origine extra-européenne. Parmi les jeunes pavillonnaires racisés rencontrés, la plupart ont en effet résidé dans des quartiers populaires avant d'emménager dans des pavillons. De cette socialisation résidentielle antérieure, ils ont pu garder des amis, une connaissance de la culture des rues leur assurant une familiarité avec celle-ci, et des dispositions donc, et des représentations. De plus, parmi eux, beaucoup ont des membres de leur famille qui habitent encore en fait, dans des quartiers HLM, ce qui contribue au fait qu'ils s'y rendent régulièrement et qu'ils y connaissent des habitants.
Ainsi, si les jeunes pavillonnaires racisés sont plus proches des jeunes des cités HLM que les jeunes pavillonnaires blancs, c'est aussi du fait d'une origine sociale plus populaire, ce qui nous renvoie aux conditions matérielles d'existence des immigrés et de leurs descendants en France. En 2017, l'Observatoire des inégalités déclarait qu'en France, les immigrés ont un niveau de vie inférieur de 30% à celui des non-immigrés. Ceci étant dit, on constate qu'en fonction de l'origine sociale des enquêtés, leur rapport aux cités HLM et au pavillon est plus ou moins distant. Comme on l'a vu, alors qu'Étienne, qui est d'une origine sociale assez aisée, donc un père informaticien et une mère professeur d'anglais, exprime qu'il n'entretient peu ou pas de contact avec les jeunes des cités, il dit être un blanc de Bonfort, comme je disais tout à l'heure. Et à l'inverse, Karim, qui est d'une origine sociale bien plus populaire, père chauffeur poids lourd et mère femme de ménage, lui est beaucoup plus familier avec ses quartiers. En outre, il semble impossible et potentiellement dangereux, car cela présente le risque de réifier les catégories, de tracer une limite claire entre racisés et non racisés. Le cas d'Axel le montre. Fils d'un père marocain adopté, et d'une mère française, il a grandi dans un pavillon de Bonfort avec sa mère et son beau-père. Donc il est fan de métal, et il se caractérise par un style particulièrement atypique dans l'espace local. Il a une crête, etc. Son prénom non musulman, son style vestimentaire et ses passions a priori assez éloignées de la culture des rues, sa couleur de peau claire, sa faible connaissance de références culturelles, laissent à penser qu'il n'est pas particulièrement racisé dans l'espace local. A l'inverse, on peut penser que certains jeunes habitants des cités, bien qu'ils n'aient pas d'ascendants familiaux immigrés extra-européens, peuvent être en quelque sorte racisés. Ainsi, certains jeunes blancs des quartiers HLM sont décrits par certains enquêtés comme n'étant plus des Français, plus des Blancs, de par leur sociabilité, leur intégration au quartier ou leur conversion à l'islam. Alors pour conclure, on peut évoquer le cas d'Aïcha. Aïcha est âgée d'une quarantaine d'années, elle est la fille d'immigrés algériens venus en France dans les années 70, dans la cité de la Clairière. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur, et lorsque je la rencontre parce qu'elle est présidente d'une association de parents d'élèves du collège. Donc elle est propriétaire maintenant d'un pavillon à Potreville et mère de 3 enfants, dont Leïla, que j'ai rencontrée quelques mois par la suite. Leïla était à cette époque-là en 3e au collège public. Donc Leïla est amie avec de nombreux camarades de la cité de la Clairière, et malgré le fait qu'elle se dise avoir un caractère de bonfortoise, du fait qu'elle soit calme et posée. On peut penser qu'avec le temps et la multiplication des cas de mobilité sociale ascendante comme celui-ci, les quartiers pavillonnaires sont amenés à voir leur population se diversifier en termes d'origine. Une question reste cependant en suspens, quand et comment deviendront-ils des Français comme les autres, non racisés ? Comme on l'a vu, ces jeunes, dont le passé migratoire familial remonte parfois à plusieurs générations, restent ramenés à leur origine. Le travail de mémoire critique sur l'histoire de France apparaît ainsi essentiel pour lutter contre les représentations et les dispositions héritées du passé colonial et des rapports de domination entre colons et colonisés et entre les descendants de ces derniers. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, là aussi, à la fois pour la présentation fort intéressante, différente des deux qui ont précédé par le sujet, par l'angle d'attaque, mais tout aussi intéressante. Merci aussi pour le parfait respect du timing. Merci à vous trois. Alors, ça va nous laisser tout le temps voulu pour une discussion, une large discussion, que je vais peut-être juste impulser en essayant de revenir très, très brièvement sur chacune des trois interventions. Sans vouloir les simplifier à l'extrême, ce que j'ai retenu et ce qui m'a frappé de l'intervention de Markus Walz, c'est une énorme interrogation
sur notre aptitude ou pas à faire la bonne représentation, la bonne patrimonialisation, la bonne mise en exposition des sujets, des objets, des uns ou des autres. J'ai même perçu plus qu'une interrogation, peut-être un œil assez pessimiste sur en tout cas ce qui existe, en dépit des tentatives de procéder différemment. Et de fait, à vous entendre, on a vraiment l'impression que c'est la quadrature du cercle, que soit on présente et donc on exclut parce qu'on présente des choses dans lesquelles le visiteur ne se retrouve pas alors qu'il devrait se retrouver, soit on s'appelle nous les hommes et les femmes du pays rhénan, et en fait le nous est forcément exclusif, soit au contraire on essaie d'adopter une perspective moins eurocentrée, et à l'inverse c'est nous qui peuvent être nous les Européens qui pouvons nous retrouver exclus de la représentation. Bref, ça paraît extrêmement complexe, et il est à espérer que nos débats, puisque cette présentation de Markus Walz est la première d'une série d'autres qui vont se poursuivre demain, plus sous l'angle muséal, donc on aura sûrement l'occasion aussi d'y faire écho demain et d'y revenir là dans le débat tout de suite. Ensuite, nous avons l'intervention de Colline Rondeau, et au passage, je voudrais dire aussi combien nous étions heureux, nous les organisateurs du colloque, d'accueillir dans nos débats aussi de jeunes doctorants que nous avons justement là présents, et d'autres dans la salle qui écoutent. C'est toujours un plaisir et c'est extrêmement enrichissant pour les débats, parce que les perspectives varient également non seulement selon les disciplines, en fonction des origines géographiques, mais je pense aussi en fonction de l'âge de la personne qui s'exprime et qui fait ses recherches. Donc c'est toujours un enrichissement. Donc Colline Rondeau, ce qui m'a frappé, la question véritablement au cœur, me semble-t-il, de votre intervention, c'est celle des identités, ou plus précisément des identifications, qui bien sûr touchent aux représentations, aux auto-représentations, aux exo-représentations. C'est toujours très passionnant. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est également ce que vous avez appelé, je crois, l'assignation, enfin ce n'était pas l'assignation, mais en l'occurrence, mettons, l'assignation subie ou l'assignation choisie. Car de fait, il y a les deux aspects. Il y a la catégorisation dont vous faites l'objet malgré vous, et il y a celle dans laquelle vous pouvez être heureux de rentrer pour des raisons stratégiques et même pour des raisons de survie parfois. Et ça m'a fait penser en vous écoutant, j'ai moi-même réalisé une enquête il y a quelques années sur les Allemands de Roumanie, sur la minorité allemande de Roumanie à l'ouest de la Roumanie, autour de Timișoara. Et ce qui m'avait particulièrement frappé parmi ces mutations successives et parfois complètement contradictoires des identifications, c'était juste... C'est que mon micro. Voilà. Le souci stratégique de changer d'identité parfois. Pour les Allemands en question, de quoi s'agissait-il? Très brièvement, mais je trouve le parallèle assez intéressant. Donc au XVIIIe siècle, la partie occidentale de la Roumanie actuelle, qui était la Hongrie d'hier, est peuplée par différentes vagues de colonisation, majoritairement en provenance de l'Empire austro-hongrois, mais pas exclusivement. Ces colons viennent aussi notamment d'Alsace et de Lorraine. Et certains d'entre eux sont donc français, parlent français, s'installent là-bas dans ce qui était la Hongrie d'hier, et puis font souche, mais ils se trouvent plus ou moins au cours des décennies et des siècles assimilés à des colons allemands beaucoup plus nombreux dans la région. Parfois des villages entiers sont presque entièrement germaniques ou germanisés très vite, ce qui fait que ces Français d'origine finissent par parler allemand et ne conservent plus le français que dans leurs livres de prière et à l'église, par exemple. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, dès les années 41-42, ces Allemands qu'ils sont devenus entre-temps, qui étaient d'origine française, se hâtent d'aller chercher dans les registres paroissiaux les preuves attestant qu'ils sont bien français, et c'est ce qui va leur permettre en 1945, avec l'appui de Robert Schuman, de trouver asile en France, de se réfugier en France alors qu'ils ne parlent plus le français. Et en France, ils reconstituent non pas une colonie de nouveaux Français, mais une colonie d'Allemands.
voilà, sur la foi de leur appartenance française. Bref, donc ces identifications, elles se produisent au fil des siècles de façon récurrente. Ils sont toujours passionnantes à étudier. Il ne s'agit pas seulement que des exo-assignations. Et enfin, la dernière intervention, celle d'Adrien Benez, qui était tout à fait intéressante et à laquelle fera peut-être écho notamment l'intervention de Stéphane Gore cet après-midi, mais peut-être aussi d'autres interventions, elle est tout à fait éclairante pour montrer les entre-deux. Il m'a semblé que votre regard conclusif était relativement optimiste, malgré tout, sur les compétences et les aptitudes déployées par ces jeunes de l'entre-deux, qui certes finissaient peut-être par ne plus appartenir réellement à aucune des deux parties, mais qui finalement développe en compensation peut-être des aptitudes qui leur permettent de jouer le rôle de passerelle entre les deux mondes. C'est dit assez clairement par certains des intervenants que vous nous avez cités, et j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Petite parenthèse significative, et je laisserai la parole à tous ceux qui voudront débattre. Petite parenthèse, j'évoquais tout à l'heure la Cité nationale de l'immigration, devenue le musée. Il n'est pas anodin que ce musée ait été créé chez nous, à Paris, en 2007, précisément très peu de temps après les révoltes des banlieues qui ont secoué la région parisienne en 2005. C'était une des impulsions premières de ce musée. Voilà. Merci en tout cas à tous les trois. La parole est ouverte à tous ceux qui veulent la prendre pour des questions ou des commentaires que vous aimeriez faire pour rebondir sur l'une des interventions. Ayez la gentillesse de vous présenter à chaque fois dans l'optique de l'enregistrement de nos échanges, même si vous vous êtes déjà présenté précédemment. Hans-Peter Hahn, Universität Frankfurt. Es ist eine Herausforderung, den Vortrag von Herrn Walz mit den beiden anderen Vorträgen zu verbinden. Sie passen wenig zusammen. Deswegen möchte ich zuerst zu den beiden anderen Vorträgen reagieren und vielleicht gelingt es, eine Verbindung herzustellen. Ich bin ein wenig irritiert über den Gebrauch des Begriffes der Identität. Und ich vermute, dass wir besser von vornherein von multiplen Identitäten ausgehen. Es gibt ein populäres Buch in Deutschland, Patchwork Identity. Und ich bin sehr froh, dass Malik Abdel-Sayyad zitiert wurde, der ja das mit der dritten Kultur sehr stark gemacht hat. Also meine Frage wäre, ist es nicht zu kurz gegriffen, wenn man sich darauf beruft, ein Zitat, eine Referenz einer Person zu nehmen und daran eine Identität ablesen zu wollen? Sollten wir nicht von vornherein davon ausgehen, dass in der Biografie der jungen Menschen, die Sie untersucht haben, gleich viel, ob sie kurdisch sind oder ob sie in diesen Banlieues leben, dass dort immer in der Lebensgeschichte mehrere Identitäten und auch Übergänge eingeschrieben sind, möglicherweise auch eine situative Auswahl von Identitäten. Und damit komme ich dann doch noch zu dem Beitrag von Herrn Walz. Ist das Museum eine Repräsentation der eigenen Identität? Ist es eine Autorepräsentation? Nicht? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ich vermisse in Ihrem Vortrag eigentlich die Referenz zu Sloterdijk, der gesagt hat, das Museum ist eine Schule des Befremdens. Wo bleibt die Erweiterung des Horizonts, die ja im Konzeptmuseum, zumindest nach Sloterdijk, auch vorgesehen ist? Merci beaucoup pour les questions. Je vais passer la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent répondre. Je souhaitais juste préciser que, de fait, M. Valls intervient ce matin pour des raisons professionnelles, puisqu'il doit ensuite partir à un autre colloque. Voilà, il était important qu'il puisse communiquer ce matin. Et c'est vrai qu'on est déjà dans l'introduction du panel de demain, tout à fait. Et quant à la question des identités, de fait, identité, identification, le terme est peut-être plus... Je passe la parole à l'un de vous deux. Qui veut répondre en premier? Me concernant, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous, dans le sens où, pour moi, je perçois l'identité et l'ethnicité comme des notions pas du tout figées, mais des constructions sociales.
Et donc, tout à fait, en fonction des situations. Enfin, c'était justement tout ce que j'ai essayé de restituer aujourd'hui, c'est de dire que ces jeunes sont pris en fait dans des injonctions identitaires contradictoires, et en fonction des situations, des interlocuteurs peuvent se définir, se représenter les autres de manière différente. Mais il ne s'agit pas du tout d'homogénéiser une catégorie, quelle qu'elle soit, ou de d'essentialiser en fonction d'une prétendue origine ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait, je vous rejoins. Pour moi, l'identité est un processus. Évidemment, les Kurdes que j'ai pu rencontrer, certains m'ont d'ailleurs dit que pendant plus de 10 ans, ils ne se sentaient pas Kurdes, mais plutôt Alevi, par exemple, l'une de leurs religions, plutôt Yézidi, parce que, par exemple, ils ne pratiquaient pas la langue kurde, pratiquaient plus le français ou le turc. Donc, justement, elle est fluctuante, ça dépend des contextes. Donc, je vous rejoins, évidemment. Dann hänge ich da auch noch einen Satz rein. Also ich habe mich hier ganz wohl gefühlt und gar nicht so exotisch, wie das jetzt bei Herrn Hahn angekommen ist, weil ich weiß wohl, Peter Sloterdijk ist ein deutscher Philosoph, der sozusagen eher so impressionistisch das vorgetragen hat, dass man im Museum sehr verschiedenen Situationen begegnen kann, die im realen Leben so als Begegnung nicht möglich sind. Das scheint mir aber doch ein sehr theoretisch-analytischer Zugriff zu sein. Wenn man in Begründungen von Lokal-Regionalmuseen guckt, warum sie finanziert, warum sie bezahlt werden und wie sie eröffnet werden, jetzt, also warum will ich sie haben und warum bezahle ich sie jetzt nun? Klassischerweise wird, wenn auch nicht wörtlich, über Identität gesprochen. Modischerweise wird über Kulturerbe gesprochen, was ja das Ganze nur rückwärts ist. Dass eine gegenwärtige tonangebende Bevölkerung bekannt gibt, was angeblich aus der Vergangenheit ihr gehört. Und auf dieser Schiene treten Museen, zumindest wenn sie politisch gesehen werden, als Identifikationsagenturen auf, die bestimmte Muster vortragen, die man gefälligst gut zu finden, zu adaptieren hat. Mein Lieblingsbeispiel ist das mit diesem Wir Rheinländer da, weil subtiler kann man das ja nicht machen, wie ich finde. Und die Herrschaften, die das Geld für das Museum geben, sind ja auch die, die dafür sorgen, dass ihr Gesicht in der Ausstellung vertreten ist und die sich auch wünschen, in welcher Szene sie auftreten. Ja, also das könnte jetzt für ein sehr skurriles Einzelbeispiel finden, aber es ist ja nicht von ungefähr, dass diese Masse an lokalen Regionalmuseen in Deutschland finanziert werden. Die fallen ja nicht vom Himmel. Und ich denke nicht, dass die sie finanzieren, einfach nur sagen, alter Knopf, er hat sein Recht zu existieren, weil er ein alter Knopf ist. Dieser Gegenstand, ich habe jetzt Knopf gesagt, dieser Topf, dieser Hut, was auch immer, kommt mit einer bestimmten Begründung dahin. Ich habe das sicherlich pointiert, wenn ich das sage. Das geht sehr stark in einer solchen identifizierenden Ebene her. Und da können wir uns auch gerne drüber streiten. Gerade deswegen habe ich aber ganz gut hingepasst, wie ich finde. Mein Name ist Stefan Goch. Auch einfach nur zu der Museumsgeschichte eine Frage. Wenn wir jetzt ein Museum haben über Kölner, über Rheinländer und über Menschen in der Bundesrepublik oder über die Geschichte der Bundesrepublik. Jetzt haben Sie das alles eigentlich verworfen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich den Kölner vorstellen will? Also wenn ich kölnische Geschichte machen will, dann kann ich ja Ereignisse darstellen, aber wie bitte stelle ich jetzt den Kölner dar oder den Deutschen oder den Rheinländer? Also jetzt ohne Identifikation, darum geht es den Geldgebern sicherlich, aber wie stelle ich ihn denn dar? Wie mache ich das? Ich muss ja sozusagen den Akteur darstellen. Das klingt jetzt so, wie wenn ich die Rezeptschublade öffnen wollte. Wenn Sie so direkt mich fragen, ich persönlich finde, die Geschichte einer Stadt ist die Menge der Geschehen, die über einen bestimmten Haufen von Steinen hinweggefahren ist. Und wenn man mehr möchte, werden die Bilder oftmals auch falsch. Aber das ist eine sehr persönliche Antwort von mir auf Ihre Frage. Ja, herzlichen Dank auch nochmal an das Panel.
das natürlich irgendwie eine etwas auf dem ersten Blick etwas komische Zusammenstellung ist, weil sie auch so bestimmten Notwendigkeiten des Reisemanagements geschuldet ist. Aber ich finde es trotzdem interessant, was sich ergeben hat, so aus diesem Vortrag von Herrn Walz und Herrn Bernays. Also beide Vorträge, finde ich, hatten so einen leicht pessimistischen Unterton. Also es gibt offensichtlich diese fortgesetzte Rassisierung und die, also das ist keine Überraschung für uns, das kennen wir aus verschiedenen Kontexten, aber Sie haben das natürlich schön an diesem Material nochmal gezeigt und an diesem Beispiel. Und es gibt so ein bisschen das Dead End für diese Regional- und Lokalmuseen. Und ich wollte jetzt an beide die Frage stellen, ob sie eben nicht, und du hast das auch schon angedeutet ein bisschen, Gwenola, ob man da nicht einmal den Blick auch drehen könnte. Also jetzt bei den Regional- und Lokalmuseen. Also mein Verdacht wäre ja, oder meine Beobachtung wäre eigentlich, dass wenn das Thema Migration in den letzten Jahren behandelt wurde, dann am besten eigentlich in Regional- und Lokalmuseen und auf dieser höheren Ebene der Nationalmuseen geht es eigentlich sowieso grundsätzlich daneben. Ja. Und wenn es gute Projekte gab, dann würde ich glauben, auch aus der österreichischen Perspektive, dann sind es eigentlich Projekte gewesen, die eher im Bereich von Stadtmuseen oder Lokal- und Regionalmuseen waren. Also darum wollte ich jetzt nur fragen, obwohl das fand ich schon auch interessant, Ihren Blick darauf, dieses Othering, wie sich das spiegelt in diesen Ausstellungen, aber ob man nämlich nicht eben auch jetzt eine andere Geschichte der Regional- und Lokalmuseen in den letzten Jahren hätte erzählen können, wie sie versuchen, eben neue Zugänge zu diesem Thema Migration zu finden und auch, was bei dir schon ein bisschen anklang, inwieweit man eben dieses Dazwischen, also wir hatten letztens eine Tagung in Innsbruck, und einer hat dazwischen gesagt und das Publikum explodierte sofort, weil eigentlich, das ist so ähnlich wie bei Postmigration, da kann man dann riesige Diskussionen haben und natürlich eigentlich dazwischen geht gar nicht mehr, was soll das heißen, dazwischen, ne? Also das ist so ein Problemdiskurs natürlich, Pathologisierung gewissermaßen, kann man eben tatsächlich, und das hast du schon ein bisschen gefragt, also wie kann man gewissermaßen diese Leben anders lesen, ja, eben weniger auf dazwischen, sondern eher auf das, was du auch meinst, das Potenzial oder was da eigentlich ständig gelingt und nicht was fehlgeht, ja. Und diesen Beitrag über Kurden, das fand ich einfach super spannend, nur am Rande jetzt noch gesagt, super spannend, weil es auch nochmal genau diese Frage, finde ich, von Unsichtbarkeit, was wir vorhin diskutiert haben, Unsichtbarkeit, Macht der Administration, zeigt und wie sich das auch fortschreibt und wie auch die Frage, was ich ganz kurz versucht habe anzusprechen, wie weit es überhaupt sinnvoll ist, zwischen Arbeitsmigration und Flucht zu unterscheiden, gerade anhand von Kurden, die aus der Türkei gekommen sind, oft unter dem Deckmantel gewissermaßen der Gastarbeit, aber die eigentlich eben damit eine gute Möglichkeit hatten, das Land auch zu verlassen. Warum fand ich jetzt einen super spannenden Beitrag dazu. Ich fühle mich jetzt so angeguckt. Ja. Ich kann Ihnen nur zustimmen, das ist schon richtig so, dass die lokalen Regionalmuseen relativ viel in die Richtung gemacht haben, Migrationsgeschichten, das sind jetzt mit der Mehrzahl, überhaupt mal auf das Plafond zu nehmen, mehrheitlich auf der Ebene von Wechselausstellungen, was ja auch das Leichteste ist, weil ich dann Einzelthemen da abarbeiten kann. Trotzdem bleibt ja die Frage übrig, woraus besteht denn nun bitte schön jetzt die Geschichte dieser Stadt? Und weiß nicht, also meine migrationshistorischen Beschäftigungen liegen im 18., 19. Jahrhundert und da ist das sowas von selbstverständlich, auch wenn wir uns das heute so nicht vorstellen können, dass da einfach Leute hinkommen und fremd oder nicht, Fremdsprache oder nicht, und ihren Beruf ausüben. Und ohne diese zuwandernden Berufsausübenden hätte es diese Stadt und ihre wirtschaftliche Prosperität überhaupt nicht gegeben. Das ist aber etwas, was an der Wahrnehmungsoberfläche dieser Museen restlos vorübergeht. Dann kommen sie im Mittelalter an, Kaiserin Theophanu, das kann man immer schön erzählen, von wegen der Rheinländer. Ne? Also das ist dann, ja du Lieber, ist lang genug her, dass man das mal einbauen kann. Aber wie kriegen sie das hin? Die permanente Austauschung der Wohnbevölkerung zu thematisieren, ohne dass sie dann den Faden darin verlieren. Einfach nur sagen, das ist eine Kulisse oder das ist einfach ein Punkt, der günstig an einem Fluss oder an einem Berg liegt und deswegen kommen da immer mal wieder Leute vorbei und wohnen da mal für 20 Jahre. Das wäre ja die Zusammenfassung aller Stadtgeschichten Europas, wenn ich das sehr böse zusammenfasse.
Das ist für Nantes auch nicht anders. Liegt einfach super an der Loire, ist so, Ende der Durchsage. Und da wohnt mal jemand und dann verschwinden die auch wieder. Das ist aber so trivial, wie das als Erkenntnis ist, dass es nicht verkaufbar an die, die das bezahlen sollen, ist mein Eindruck. Und deswegen, das kam jetzt bei Ihnen sehr pessimistisch an. Ich finde das nur realistisch. Ja? Wir haben Dinge in Museen gesammelt, an denen man etwas ablesen kann. Und das war mein Beispiel mit der Pontischen Lyra. Wir machen immens sehr viele Anstrengungen, um Dinge auszustellen, an denen man nichts ablesen kann, aber neben die man einen Text hängen kann, den man dann lesen kann. Und da gehen meine Hassgefühle auf. Und das ist das, was Sie als negativistisch empfunden haben. Okay? Est-ce que l'un de vous deux voulait réagir, sinon, sur... Oui, Colline Rondeau. Oui, c'était pour vous dire que au tout début de ma recherche, j'ai débuté par les demandeurs d'asile. Et au fur et à mesure, les réseaux utilisés par ces derniers se sont révélés dans les sources et avec des liens justement avec les premières générations. Et je ne fais pas de, enfin, je fais une distinction juste parce que les sources, la manière dont ces sources ont été construites pour les migrations de travail et les demandeurs d'asile, c'est les sources qui m'ont amené à réfléchir comme ceci. Mais je ne fais pas une coupure. Les migrations ont continué et continuent encore. Bon, pas de rupture, c'est juste la construction des sources qui m'a amené à ça. Voilà, c'est tout. Ono Erdo, Humboldt Universität Berlin. Ich würde gerne eben anschließen an diese Frage, wie dieses Panel eigentlich aufgebaut ist. Ich hatte nämlich, ich finde es gut, dass es so aufgebaut ist, weil ich während der drei Vorträge die Beobachtung hatte, dass wir wirklich gerade in einer Zeit der Debatten um Identität und Identitätspolitik stehen. Die drei Vorträge sind aber, also das ist das Gemeinsame, die Frage, wann kann ich zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen, mit welchen strategischen Zeitlichkeitsvorstellungen kann ich Kurde sein, zum Beispiel in der Türkei oder in Deutschland oder in Frankreich. Genauso das Spiel mit den Identitäten zwischen an einem See, ja, an diesem Eton, und eigentlich auch auf der Ebene der Musealisierungs- oder Ausstellungspraxis. Das wäre die Gemeinsamkeit, die so den Rahmen abgeben würde. Ich würde jetzt eine kleine Unterscheidung machen, nur um quasi die Diskussion quasi vielleicht einfach so zwei Schneisen zu legen. Bei den beiden Vorträgen von Adrien und Colline hatte ich das Gefühl, dass dieses, also um einfach die Schrauben anzudrehen, das Gefühl, dass dieses Spiel der Identität natürlich auf der Untersuchungsebene stattfindet. Also ihr untersucht etwas oder in eurem Untersuchungsmaterial bei den Personen, die ihr beobachtet und interviewt, ist dieses Spiel der Identitäten da. Jetzt wäre der Ausweg, um quasi nicht in diesem Dilemma zu bleiben, natürlich weiter zu fragen und zu sagen, was hat dieses Identitätsspiel für einen Effekt oder für eine Bedeutung oder dieses Erloch, was bedeutet das jetzt eigentlich nochmal für meine Fragestellung? Sonst bleibt man auf dieser Ebene hängen, dass man selber minutenlang noch überlegen muss, ist das jetzt kurdisch oder türkisch oder französisch? Also das ist natürlich auch eine interessante Frage, aber man darf der Macht und der Macht von der Identitätspolitik nicht ohnmächtig werden auf eine Art. Und das wäre so eine Art Plädoyer, sich eigentlich zu distanzieren von den Identifikationsprozessen und Konstruktionen dieser Personen mit und der lokalen Kontexte, mit denen ihr euch befasst. Auf einer anderen Ebene, und da würde ich schon unterscheiden und aber auch gleich noch nachfragen, ist diese Ausstellungspraxis, also ihre Präsentation der Ausstellung Problematik, kann man sagen, zu sehen. Da fehlt mir noch was, um ehrlich zu sein. Weil Sie haben es zugespitzt, das stimmt, und man fragt sich auch, was Sie sagen wollen, was Ihr Punkt ist. Oder ich frage mich das noch. Was mir aber fehlt auf jeden Fall, ist eigentlich noch eine Begründung. Und zwar eine Begründung von dem, was Sie in der Präsentation gesagt haben, das versteht man nicht. Also was mir fehlt, ist eigentlich noch Ihr Verständnis von Verständnis. Sie haben immer ganz schnell gesagt, das sieht man, dieses Objekt, und dann versteht man es oder man versteht es nicht. Was verstehen Sie von, wenn eine Person in ein Museum geht und etwas nicht versteht? Das ist doch, also da würde ich sagen, das ist doch total fast schon banal. Das ist, kann etwas Eigenes und was Fremdes sein. Es kann ja auch was Fremdes sein, in was man sich sozialisiert, weil man diese Geschichte dieser eigenen Stadt nicht kennt bis jetzt. Ja?
Also das kann eben, Identifikationspotenzial kann hier nicht quasi vorausgesetzt werden. Und das spüre ich so ein bisschen in Ihrem, im Subtext Ihres Vortrags ein bisschen heraus, wo ich mir nicht sicher bin, ob Sie nicht eigentlich Identitätspolitik betreiben. Versteckt auf eine Art, ja, weil Sie eigentlich fragen, ja, das ist, ja, wir Rheinländer. Ja, aber das ist noch keine Argumentation, meiner Meinung nach. Herr Walz, Sie haben noch das Wort. Oder vielleicht zunächst mal, also wie Sie meinen, l'un d'entre vous, qui veut réagir? Alors d'abord, première question, la question des identités. Adrien Benez. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, c'était un peu comme la première question, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on... On ne s'arrêtait pas aux matériaux avec le risque de réifier les catégories. Et au contraire, non, moi je ne veux pas du tout faire ça, mais parce que c'est venu du terrain en fait. C'est pas moi qui me suis dit, tiens, je vais aller chercher des jeunes d'origine étrangère dans les pavillons pour voir. En fait, c'est venu du terrain. Et l'intérêt, c'est justement de montrer. Que l'identité c'est un processus, c'est une construction sociale et que c'est hérité aussi de l'histoire et en l'occurrence du passé colonial de la France. Donc de quoi? Ouais, tout à fait. Ah non, mais je dis pas qu'il y a que le passé colonial, hein, bien sûr, mais en l'occurrence dans la domination qu'on peut percevoir qui est ressentie par les enquêtés, quelle que soit leur origine, le passé colonial, je pense, ça joue un rôle important. Si je peux compléter juste. Ah oui, Stéphanie Morandeau, donc laboratoire droit et changement social. Bien sûr que le passé colonial est important et a toutes ses conséquences à l'heure actuelle, mais ce que je voulais dire, il n'y a pas que ça. Ce phénomène migratoire, il est aussi lié à ce qu'on lui donne, à ce qu'on va lui faire sens, c'est-à-dire à l'intégration. Quand on voit, il y a des gens qui se sentent exclus, qui ne se sentent pas intégrés, donc la migration, si vous voulez, elle va glisser vers l'intégration. Et ceux qui possèdent les codes sociaux de la société française, même s'ils sont issus de ce passé colonial, se sentent pleinement intégrés, ils ne se sentent pas exclus. Alors, je pense qu'il y a différents degrés dans ce passé colonial qui fait que, comme vous disiez, monsieur, il faut avoir du recul par rapport aux politiques identitaires et aux politiques d'intégration, parce qu'il y a eu ces mouvements, mais ces mouvements migratoires, l'humanité en est constituée, et c'est une chose. Et puis après, il y a ce qu'on en fait de ces mouvements migratoires. Comment on les intègre dans une société, ces mouvements migratoires? Et ce passé colonial, certes, il est omniprésent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les politiques d'intégration qui font suite à ce passé colonial. Et comment on intègre les individus dans une société? Et votre exposé a parfaitement démontré que ces intégrations sont très difficiles, voire très divergentes, selon qu'on change de rue. Donc là, il n'y a plus de passé colonial, j'ai envie de dire. Ça va au-delà. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous y répondez. Ouais, je vais bien. Pour moi, la question de l'intégration, en fait, se pose pas forcément. Enfin, se pose pas en fait hein, pour les jeunes dont j'ai parlé, puisque c'est des personnes qui sont françaises, dont effectivement des ascendants familiaux ont migré, mais eux n'ont pas. Ils sont français. Donc, comme la question d'intégration se pose pas, il me semble, pour eux. En fait, c'est un problème que la question se pose.
Le problème, c'est que la France revendique d'être un peu colorblind, d'être de ne pas voir les différences. Donc, c'est écrit sur le fronton des mairies, etc. Donc, à partir du moment, un Français est un Français, et c'est tout le problème, en fait. C'est un peu tout le problème derrière ce non-dit. Sur la question coloniale, je suis sûre qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, j'en suis certaine. Il y avait encore quelques questions dans la salle qui attendent leur tour, donc on va les prendre et puis on reviendra sur la question coloniale si le temps nous le permet, ce qui n'est pas sûr, mais je suis persuadée qu'on en reparlera après. Merci beaucoup. Julien Long de l'Université de Nantes. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Je fais écho à tout ce que pas mal de personnes ont dit sur le choix, finalement, qui était imposé par le calendrier de M. Valls. Mais, parce qu'en fait, finalement, on voit ici qu'on s'intéresse également à la migration en tant qu'expérience vécue sur une localité, sur un lieu particulier. Ici, à Nantes, il existe aussi des populations, notamment celles qui ne sont pas parmi celles qu'on appelle les demandeurs d'asile. Hein. Moi, je m'occupe des mineurs non accompagnés, donc des catégories inexistantes, qui sont dans un flou juridique, qu'on appelle les migeurs, les ninis, enfin voilà, qui aujourd'hui vivent dans les marges de la ville, dans des espèces de bidonvilles ou dans des squats, et ils font tous les jours l'expérience de la ville à travers ce que la ville de Nantes a mis en place, et c'est ce des espèces de musées ou des mémorials, et c'est vrai qu'il y a aussi une accaparement, peut-être pas, on ne va pas dire un accaparement, parce que c'est peut-être directement orienté, mais une réutilisation, une utilisation volontaire de ces... De cette mémoire-là des étrangers qui ont fait la ville de Nantes. À Nantes, il y a une volonté de mettre ça en avant. Un historien comme Alain Croix, par exemple, a fait des travaux dessus pendant longtemps, mais également la ville de Nantes est dans un processus très volontariste, même si, évidemment, on peut y avoir aussi une permanence de la frontière qui continue, parce que même si on a un mémorial de l'abolition de l'esclavage, et je crois que le terme abolition est essentiel ici, puisque c'est directement une orientation, on ne va pas s'occuper des luttes des personnes qui étaient sous le joug de l'esclavage, on va s'occuper de l'abolition, notamment des grands abolitionnistes. Et je trouve ici qu'on a une sorte de continuité de la frontière pour des jeunes, je m'occupe des jeunes, mais des jeunes, des moins jeunes, personnes qui vivent la migration, qui vivent dans la ville et qui sont en contact avec des objets qui valorisent l'expérience migratoire ou bien les origines, notamment africaines et les afrodescendants. Hein. Ce week-end commence une grande festivité panafricaine, mais qui en même temps n'arrive pas à retrouver une place au sein de la cité qui est pourtant valorisée. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une des dynamiques qui est importante à prendre en compte et qui est un petit peu reprise dans l'idée de mémoire, représentation et des objets de la migration. C'est l'idée que la frontière, elle est... évidemment pas physique, elle est polymorphe et elle continue à être valorisée à travers une sorte d'économie identitaire de la ville. Voilà, c'était juste pour faire cette remarque-là. Merci pour ce regard sur la ville de Nantes. Et ça fait la deuxième fois ce matin qu'on entend, me semble-t-il, l'intérêt d'une représentation dans la cité, une représentation au cœur de la cité. Et c'est sûrement un point d'entrée pour notre réflexion. Oui, moi j'ai plus des... Bettina Séverin-Barbouti, j'ai plus des remarques que des questions. D'une part, en écoutant, en suivant le débat, et puis notamment par rapport à ce que Dirk Rupnoff a dit tout à l'heure sur le mot « dazwischen », je crois que nous avons besoin d'un véritable débat autour des mots, autour de notre, de nos dénominations. Et plutôt que de dire « ça ne va pas du tout », je dirais, je le formulerai comme une question, enfin une interrogation sur la façon, enfin les mots que nous utilisons. Nous en avons besoin de mots, et je crois que je suis d'accord avec ce qu'avait dit Monsieur Rahn tout à l'heure. Post-migratoire peut, à la limite, nous amener à comprendre autrement, par exemple peut-être la phase post-mobilité. Je ne sais pas, mais ça peut nous aider à mieux comprendre en fait les processus. Et le dazwischen, moi je suis plutôt aussi favorable à s'interroger d'une part. Deuxième point, en vous écoutant, en écoutant Adrien Benez et surtout Colline Rondeau, je me suis posé la question dans quelle mesure derrière les représentations se cachent des faire savoir, des savoirs, des savoir-faire. Vous avez évoqué des lettres qui ont été adressées à l'administration française. Qui a rédigé ces courriers? Comment ils ont su, ceux qui ont envoyé ces courriers? À mon avis, derrière se cache cette question de savoir dans un sens très large. Et puis, troisième point, je crois quand même, Flucht, nous devons y réfléchir. Flucht, par exemple, peut être une représentation d'un départ, enfin, de la façon dont
des personnes que nous on désignerait plutôt comme des migrants, eux ils représentent leur départ. Donc je pense que l'interrogation de la représentation, il faudrait réfléchir à ça aussi. Donc voilà. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir? Sinon, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Möchten Sie ein Wort dazu sagen? Ja. Ich sage nur kurz einen Satz, ehe dass das falsch stehen bleibt. Es hat mir völlig ferngelegen, hier eine unterschwellige Identitätspolitik vorzutragen, wenn das so angekommen wäre, dass es über... Ich bin kein Politiker, ne? Und oder will das auch nicht, will das nicht sein, sagen wir es vielleicht so. Und mir ist mehr aufgefallen, das habe ich versucht zu zeigen, dass etwas, was sehr harmonisch aussieht, dass man in verschiedene Museumstypen gehen kann und immer verstehen kann, worum es geht, diese konzentrischen Kreise, dass sie dann am Ende ganz böse zuschlagen und sagen, und du gehörst vielleicht nicht dazu, je nachdem, wie du drauf schaust. Oder es ist nicht deins, was ich dir zeige. Und dieses, das Eigene und das Fremde steckt da manifest grundsätzlich drin, das muss man so sehen. Und das wollte ich da aufgefaltet haben, wollte damit keine Politik machen. Das andere, wo Sie mich schon richtig gesehen haben, ist, man kann in Museen etwas herzeigen und man kann versuchen, sich diesem Hergezeigten dann anzunähern. Das, wie, was auch immer Sie jetzt unter, ich will jetzt das Wort verstehen, nicht auch noch auf die Liste der wichtigen Wörter schreiben. Ja? Trotzdem, ich behaupte, dass das geht, zu versuchen, einen Gegenstand zu sehen und dabei sich zu fragen, was er wohl sein könnte, wo er wohl gedient haben könnte und was er wohl sein kann. Und daneben steht eben, dass Dinge auf etwas Abwesendes verweisen sollen, Repräsentation im museologischen Sinn jetzt. Ja? Und die ganze Museumsdiskussion der letzten 20 Jahre fährt auf der Repräsentationsschiene. Und die Museen sollen alles Mögliche repräsentieren. Dabei geht nur leider verloren, dass Dinge als solches ja zunächst mal hoffentlich überhaupt sinnvollerweise beguckt werden könnten, wenn... Mein Beispiel war diese Lyra, also dieses Streichinstrument. Wenn ich nicht in ein Musikinstrumentenmuseum gehe und wenn ich mich für Musikinstrumente nicht interessiere, bringt mir dieser Gegenstand überhaupt nichts. Und für die Stadtgeschichte von München bringt er auch nichts. So tragisch wie der Fall dieses Münchners, der wegen seiner falschen Haarfarbe ermordet wurde, ist, ich will diesen Fall nicht kritisieren, aber das Musikinstrument ohne diese Familiengeschichte sagt mir nichts, kann mir nichts sagen. Und da ist eine Problematik drin, wie wir diese Inhalte, die wir jetzt gerne in Museen hätten, tatsächlich in Museen transportieren oder ob sie letztendlich nicht museal fassbar sind, sondern in einem Buch, in einem, weiß ich was, in einem Film oder sonst was. Da steckt ein wesentliches Problem drin. Okay? Oui, alors, Zeya Zeroulou, donc Clercé, laboratoire Clercé à Lille. Bon, il y a des choses que je voulais dire qui ont été dites avant, donc je serai plus rapide. Moi, les trois interventions m'ont amené à cette question des visibilités et invisibilités. Et je me demandais dans quelle mesure ce jeu des identités, dont vous avez été plusieurs à parler, ne renvoyait pas à ces questions de visibilité et d'invisibilité. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas dans les musées. Il y a comment on veut être identifié comme kurde, comme turc ou pas. Il y a aussi comment on veut être perçu, identifié dans les différents quartiers dont parlait Adrien Benez. Et je ne sais pas si vous pouvez nous dire ce qu'en disent les personnes par rapport à ces questions de visibilité, invisibilité. Est-ce que les personnes en parlent? Est-ce que c'est quelque chose qui a été présent dans les entretiens menés, je pense notamment à deux doctorants? Voilà, je ne sais pas si vous pouvez en... Merci. C'est une réflexion. Je suis pas sûr d'avoir bien perçu c'est-à-dire visibilité, invisibilité. Je me demandais dans quelle mesure les jeunes, notamment dont tu parlais, ont envie d'être perçus comme descendants d'immigrés ou habitants tel ou tel quartier, ceux qui sont dans l'entre-deux, par exemple. D'accord. Est-ce qu'ils veulent peut-être pas être identifié comme habitant l'un des quartiers et qu'il se situe au-dessus, enfin je sais pas. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent,
Oui, tout à fait. Bah, je pense que tout dépend des contextes, en fait, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils peuvent tirer parfois certains avantages, on peut dire, à se revendiquer d'une origine, par exemple, à avoir des références qui leur amèneraient une origine, et à d'autres moments, à peut-être la mettre en suspens ou peut-être même à la cacher, quoi. Donc ça dépend vraiment des contextes. Il nous reste 2 minutes pour une ou deux dernières ultimes questions. Meriem Youssoufi, laboratoire Valeurs, Société, Développement, Université Mnouzhorda Agadir, Maroc. Alors, ça va être rapide. Donc, la question donc, à Colline Rondeau, quelle est votre situation chercheur, objet d'étude, cette relation, ce rapport entre objectivité et subjectivité dans votre travail. Vous vous situez où dans ce travail en tant que chercheur? Êtes-vous kurde? Non? Voilà, donc je me suis posé une certaine question pour voir cette relation ou ce rapport objectivité-subjectivité. Alors la deuxième, concernant la circulation des objets de mémoire, bon, qui sont généralement préservés ou protégés dans des musées, et comment ces objets de mémoire passent d'objets d'histoire en objets d'ornementation? Et donc, à travers votre exposition, Monsieur Valls, j'ai reconnu quelques objets qu'on trouve dans des brocantes marocaines. Et ça fait un peu bizarre. Donc comment ces objets changent de fonction? Ils avaient une certaine utilité. Ils sont devenus des objets d'ornementation. Donc voilà, merci. Ce sera donc notre dernière question et je vais demander à nos 3 intervenants de répondre aussi synthétiquement que possible parce que je vois Thomas Burel qui nous guette et voilà et qui surveille le timing. De fait, il ne nous reste plus que très très peu de temps. C'est quand même assez... C'est pas la première fois qu'on me demande si je suis kurde ou turque de la part de Français, d'Allemands, de Belges. Mais par contre, quand je vais voir les Kurdes, tout de suite... Ils savent très bien que je ne suis pas kurde, ni turque. Donc, voilà. Es ist völlig normal, dass alltägliche Gegenstände in Museen plötzlich als Beweismaterialien aus vergangenen Alltäglichkeiten liegen. Und dass sie dann überraschend auch andere Konnotationen haben können, ist auch normal. Also das überrascht mich jetzt gar nicht, dass Sie die Erfahrung so gesammelt haben. Das ist normal. C'est bon? Tu as la réponse à ta question, Myriam. Eh bien, je vous propose de clore pour ce matin notre première session. Nous allons nous rendre ensemble au restaurant qui est à 2 minutes à pied d'ici. On me signale que la salle va être fermée à clé, donc si vous désirez laisser des affaires personnelles, vous pouvez le faire sans souci. Sans problème. Je vous demande juste là de faire juste l'effort de rester groupé pour que personne ne se perde. Il n'y a pas très loin jusqu'au restaurant, mais enfin pour que nous ne perdions pas de temps puisque nous sommes toujours tenus par ce timing. Notre restaurant s'appelle Le Fou du Roi. Il est à 3 minutes derrière le château. Au cas où quelqu'un néanmoins se perdrait, c'est là qu'il nous y retrouvera. Merci à tous. Merci à nos intervenantes ce matin. Merci à Dirk Roepnoff.